Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, eh bien bienvenue, vous avez une double intro normalement. Hein? Bon, c'est pas très grave. Hein, quand on aime bien, on en redemande. Hein, c'est appétissant. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme. Ah, pas de son. Oh, encore? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Y a du son là? Dites-moi s'il y a du son les copains. Normalement ça doit marcher, non? C'est bizarre ça quand même. Pourquoi des fois il y a du son, des fois il n'y a pas de son? C'est extraordinaire ça. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, dites-moi s'il y a, si vous entendez, si vous avez du son, si quelqu'un peut me faire un pouce, un machin, me dire si le son est bon. Voilà. Et si le son est bon, bah, je commence à dire des bonsoirs à tout le monde, quoi. Ah. Là, si on a le son. C'est bon. Ah, parfait. Alors, si c'est bon. Eh bien écoutez, ouais, parce qu'il y a un petit décalage, alors je mets latence faible, mais il y a quand même un décalage. Alors déjà, on va commencer par dire bonsoir à tout le monde. Je vais aussi mettre une petite musique de fond. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va faire comme la dernière fois, petit réglage de petite musique de fond, et puis vous me dites si c'est bien, si c'est pas bien. Hein, si au niveau du son, c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc là, et audio du bureau, voilà, je vais monter un peu l'audio du bureau. Est-ce que la musique de fond, c'est pas mal? C'est trop? C'est pas assez? Vous me dites, d'accord? Si c'est trop, si c'est trop bruyant, tout ça, voilà. Donc vous me dites, ouais, si trop bruyant, ça nous casse les oreilles, tatati, tatata, quoi, voilà. Bon, là, on est bon, là, je vais me remettre ce qu'il faut ici pour pouvoir suivre, voilà. Là, tout est bon, tout est ok, le chat. Le chat, il est où le chat? Il est là le chat. Bonjour le chat. Hop. Et bonsoir tout le monde. On va commencer à dire bonsoir. Alors, bonsoir Night Stalker. Bonsoir Slender Théo. Lumaris. Ah, pas assez. Pas assez le son. Bonjour tout le monde, mon cœur. Bonsoir, vous me dites pas assez le son peut-être pour la musique, non? Ou pour moi quand je parle? Non, moi je pense que c'est bon quand je parle là. Pour moi, c'est bon, non, ça va. Bon, allez, ben, on laisse comme ça. De toute façon, le but, c'est que ce soit vraiment une musique de fond. Hein. C'est pour occuper quand je parle pas, quoi, j'ai compris. Donc, bonsoir Alex, bonsoir Paritazi, Thierry Var, Angueror, Ghost, Mika du 24, voilà, ben, les habitués, hein, comme d'habitude. Et puis, quelques nouveaux encore, ça fait plaisir à chaque fois. Quoi, je pense que j'ai l'impression qu'il y a quelques nouveaux, tu vois, dans les noms de mon cœur. J'ai du David Denis. Papa Furax, nouveau ça, bien bonsoir à tous avec un gros cœur, ben gros cœur sur toi Papa Furax, bonsoir il vient d'une autre planète, Xowomark, bonsoir Xowomark, The Reduce, Patrick Marin, voilà, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont nous rejoindre en cours, et puis eh ben, j'essaierai de penser à leur dire le bonsoir, et sinon évidemment, on leur passera le... vous leur passerez le bonsoir de ma part, hein, voilà, dis-toi, ah, là il est occupé, il peint, on passe le bonsoir. Bon, j'espère que vous allez tous bien, en ce milieu de semaine, hein, puisqu'on n'est pas en fin de semaine, hein. Mais non, on n'est qu'au milieu là, hein. On est jeudi quand même, bon voilà. Après, il y a vendredi, donc vendredi encore, voilà, faut bosser, tout ça. Et après, il y a le week-end. Hein. Après, ce sera mieux. Enfin, pour ceux qui bossent pas le week-end. Hein, parce qu'il y en a qui bossent le week-end aussi. Bonsoir à la jeune animatrice de Zoz. Ben, merci. Donc, c'est Mini Tipeee qui est passé vous dire bonsoir. Mais bon, il y a école demain. Hein, donc, pas se dire bonsoir et puis traîne pas. Hein, hein, évidemment. Bon, et qu'est-ce qu'on va, on va faire ce soir? Eh ben, on va essayer de peindre le plus blanc que blanc. On va essayer de peindre du blanc. Alors c'est marrant, j'ai posté le truc pour peindre du blanc et j'ai remarqué qu'il y avait une autre chaîne YouTube qui avait posté ça aussi. Ah bon? Ouais, il n'y a pas longtemps. Ah, je me suis pas concerté. Ouais, mais c'était il y a pas longtemps. Je me suis pas concerté. Et la conjugaison, c'est bon quoi. Hein, c'est compris. Alors je vais déjà vous montrer ce qu'on a fait la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a galéré sur Hulk. Hein. Enfin, j'ai galéré. Hein. Oh, ça avançait pas, des coups de pinceau de tous les côtés, mais... Ah, j'ai mouliné. Après, le résultat était pas mal, et puis finalement, voilà, j'ai bossé un peu derrière, et puis voilà, on est arrivé à quelque chose. Voilà, donc j'ai fait... Alors du coup, j'étais tellement vénère que je l'ai sauclé et tout, enfin voilà, j'ai dit, allez, ah ouais? Toi, Hulk, tu crois que tu vas me faire... toi, petit bout de plastique de 3 cm, tu crois que tu vas m'intimider? Bah non, je suis allé au bout, et j'ai carrément sauclé le bousin et tout ça.
Voilà. Mais c'était... voilà, donc on a fait une peau verte. Voilà, une peau verte version comics, quoi. Hein, donc, notre Hulk. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as pas peint le dos parce que tu nous montres pas le dos. Mais si, j'ai peint le dos. Vous prenez pour qui, là? Vous prenez pour un Chapacan ou quoi? Oui, voilà, évidemment que j'ai peint le dos. Attendez. Ah non, ouais. Voilà, donc bah voilà, je suis assez content du résultat. C'est un vert contrasté. Voilà, j'ai bien insisté sur les veines parce que je trouve que ça traduit bien la puissance. J'ai essayé de faire quelques ombres portées. Bon, sur le genou, elle est un peu trop prononcée. Si c'était à refaire, je la reprendrais. Et puis là, les veines sur le bras, là, c'est un peu artificiel. Ça marche mieux là, les veines sur ce bras-là que sur celui-là, je trouve. Hein. Bon. Voilà, bon ben voilà. Le jean, je suis assez content. Je trouve que le jean il ressemble pas mal. Hein. Il a une bonne tête de jean, quoi. Voilà. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Bonsoir Jonathan Gardien. Bonsoir Hobbit. Voilà, il y a quelques nouveaux qui arrivent. Comment prendre un vêtement blanc? Suffit de laver avec la lessive de Coluche qui lave plus blanc que blanc. Eh oui. Ah, c'est là qu'on voit qu'on est sur un chat de vieux quand même. Parce que ça, Coluche, quoi, c'est vieux. Hein. Bonsoir, ouais, Papa Furax. Dans les références de jeunes, effectivement. Voilà. Et puis après, bah alors pour finir, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a fait le socle. J'ai décidé de le mettre sur un socle pas trop gros parce que je trouve que sinon ça prend le pas sur la figurine. C'est quand même Hulk. Donc pour faire sentir qu'il est costaud, bah, encore faut-il lui prévoir un socle assez minimaliste. Et je suis plutôt, moi, pour les socles minimalistes. C'est-à-dire, j'aime pas les socles texturés, brillants, tout ça. Moi, je suis école team socle noir mat. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux après, voilà, parce que. Enfin, il n'y a rien de mieux. Il y a peut-être mieux, mais de base, c'est très difficile de me faire opter pour autre chose que pour un socle noir mat, parce que je trouve que c'est la figurine qui est importante, et pas forcément le socle. Le socle est là pour mettre en valeur la figurine. Donc j'aime pas quand il se passe des choses sur le socle, ça me satisfait moins. Moi, je préfère qu'il se passe des choses, voilà, sur la figurine, et sur, bien sûr, l'environnement dans lequel elle est posée. Voilà, donc c'était la sculpture de base. J'ai rajouté juste un petit poutou de grillage là, enfin de barbelé, et un peu d'herbe là, voilà. Histoire d'habiller un peu tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît, les copains. Hein, le son, il est bon là, du micro, il est peut-être un peu fort, non? Hein, j'ai l'impression que quand je parle, ça part dans les oranges des fois. Mais orange, c'est bon. Hein. Et si la musique est trop forte, vous nous dites, tu veux que je me mette en gros? Mais je suis déjà gros. Ah, le chat. Ah oui. Oh, merci mon cœur de rigoler à mes blagues. Heureusement que t'es là, toi. Si je mets là, bah, tu vois aussi quand même, là, si je mets là. Pour voir. Hein, bah, je sais pas, j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Pof, ah bah tiens, je te mets là. Non, je te mets là. Là, comme ça. C'est bien, là. Oui. Voilà, tu es là, c'est bien. Là, tu vois bien, quoi. Voilà. Voilà, donc, mais voilà, donc ça, on va le ranger. Oh, Mika, il passe la brosse. Pour la musculature, c'est un autoportrait. Tout à fait, Mika. Exactement. Bah, les meilleures références, et je me suis regardé dans la glace, et j'ai tout simplement fait un copier-coller des volumes que je voyais dans la glace. Tu nous fais voir ça, Visual Hectogone, ce week-end? Bah oui, ce samedi, hein. Donc voilà, moi, je serai samedi. Je serai samedi. Oui, la conjugaison, je suis fâché avec. Je serai samedi, dimanche, à Octogone. Les copains. Voilà, c'est prévu. Et la ZIC est un peu trop forte. Ben voilà, les gens qui communiquent. Merci, Night Stalker. Voilà, heureusement qu'il est là, Night Stalker fidèle parmi les fidèles. Fini en live. C'est une bonne question. Oui, bah écoutez, parce que je me suis dit que c'est... Alors, je me suis dit... Je pense que c'est un peu chiant pour vous de regarder deux fois la même figurine, non? C'est pas. Je sais pas. Chance, moi, j'avais peur de ça, en fait. Je l'aurais bien fait en live, hein, mais je savais pas si... parce que il n'y a pas tant de travail en plus que ça, là. Là, je pense qu'il doit y avoir 6 heures de travail en plus. Bon, 6 heures, c'est quand même 6 heures, c'est pas rien. Hein. Mais je pense qu'il y a 6 heures, 7 heures, peut-être, je sais pas. Mais pas beaucoup plus. Mais bon, je peux pas faire un live de 6 heures. Ouais, donc ça aurait mérité parce que j'ai fait le socle. Ouais, sinon c'est vrai que hors socle puis j'ai pas été très vif non plus, hein, j'ai pas peint très vite, mais oui, on aurait pu la faire en live. Non, ça aurait fait 2-3 lives. Ouais. Bah, c'est ça que j'avais. Mais ça aurait été ennuyeux. Ça aurait fait 2-3 lives, t'as bien passé deux fois ouais. Sur la live sur la fin. Bah ouais. Ah quand même. Mais j'ai déjà fait des figurines en plusieurs étapes. Hein. Mais écoutez, vous me le direz en commentaire de la vidéo, hein,
C'est bien en plus, c'est bon pour l'algorithme, ça. Ah, vous me direz si c'est intéressant pour vous que je peigne une figurine de bout en bout en live, pourquoi pas. Mais j'ai peur que ça vous ennuie, moi, c'est ça l'histoire. Ah, j'ai peur que vous ayez envie de passer à autre chose, quoi. Je le tourne un peu, qu'on voit le dos. Alors, ce qui est intéressant, c'est de peindre des veines. Alors, pas forcément là où il y en a, hein. Vous pouvez vous amuser avec votre pinceau, hein. Il y avait quelques veines sculptées, mais j'en ai fait un peu plus. Peut-être un peu trop, diraient certains. Oui, je l'accepte. Et puis, elles sont pas forcément toutes bien placées. J'avoue que sur les veines, j'ai essayé d'aller un peu vite. J'ai pas forcément pris de référence. Là, j'ai été un peu plus soft sur les veines et ça passe mieux. Donc à refaire, j'en ferai moins des veines. Mais sinon, voilà. Et vous remarquerez que sur le visage, je suis monté, j'ai monté ma lumière au blanc, que je n'ai pas fait ailleurs, où je suis resté assez smooth sur les éclairages. Toujours pareil, parce que je considère que c'est intéressant de faire monter la lumière jusqu'au point focal. Donc le point focal, pour moi, c'est la tête. Et j'en ai un deuxième qui est plus petit ici, hein, au niveau du bas, qui est sur le genou, hein, où j'ai fait monter un peu le genou. Mais jamais au-dessus de... Voilà, dans la hiérarchie, vous remarquerez que la lumière, ça va être tête, le haut du corps et le genou. Voilà, et au fur et à mesure qu'on descend, on a moins de lumière. Vous voyez là, par exemple, le pied, je l'ai laissé un peu dans l'ombre. C'est intéressant parce que ça me fait moins de travail et en plus, ça colle avec, ça donne une lisibilité à la pièce, quoi. Ça permet de véritablement voir le volume émerger, quoi. Plus intéressant que de monter tous les volumes. Et dans le dos, j'ai monté les volumes, mais j'ai été un peu moins, j'ai été un peu moins loin que ce que j'ai fait sur le devant parce que c'est le dos. Ouais, on aurait pu pousser un peu le dos, c'est vrai. Oui, mon cœur. T'as pas fait de short violet. J'ai pas... Oui, il y en a plein qui m'ont demandé short violet, je sais. C'est short violet. Bah oui, je sais, t'es déçu, mon cœur. Alors après, c'est short violet, oui et non. Hein. Dans les comics, c'est short violet, mais après, ça fait un bout de temps qu'ils le mettent en pantalon... parce que c'est un pantalon déchiré, mon cœur. T'en vois beaucoup des gens dans la rue qui se baladent avec un pantalon violet, toi? Ah bah non, pas trop. Bah tu serais capable, toi, hein. Peut-être même en slip. C'est à moi quand même. Ouais, t'as raison. Bon, allez, on passe à la pindouille. En slip, Léopard. Allez, je mets ça par devers là-bas. Et on va peindre ça. Il s'appelle Tusk. Vous voyez que je vous parle de Tusk? Allez, parce que j'en parle jamais des figurines. Mais c'est bien de raconter un peu l'histoire d'une figurine. Parce que ça... je sais pas, moi, ça me donne envie de la peindre. Je me dis, tiens, il y a une histoire. Alors, vous voyez, je vous dis, c'est quoi l'histoire de ce bonhomme, là? Alors déjà, je vais l'éclairer un peu, ce bonhomme, parce que là, on voit pas grand-chose. Hein. Là, on voit pas grand-chose. Je pense que je vais monter la lumière là. On va faire comme ça, regarde. On va monter la lumière là. Là. Parce que je vais le peindre un peu là, parce que je vais faire un peu d'aéro, je pense, sur le départ. Pour aller vite. Ensuite... Eh ouais, parce qu'il est noir, alors faut que je monte un peu le gain. Il est où le gain? Hein, le gain, là. Hein, un peu de gain. Hein, là, on voit mieux, là. Hein, voilà. Donc j'ai monté un peu le gain. Voilà, donc on va peindre ça. Donc on part sur une base noire, vous avez vu, alors que le but c'est de le faire en blanc. Je suis fou. Eh oui, bah écoutez, c'est comme ça, mais comme ça on verra bien monter la chose, quoi. Hein, je pense. Voilà, il y a plein de petits plis, là, vous voyez, ça va bien nous faire chier. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et alors qu'est-ce que c'est que ce badame? Qu'est-ce que c'est que ce Tusk? Eh bien, ce Tusk, c'est un personnage, n'est-ce pas, de l'univers Batman. Là, cette figurine est issue de Batman Gotham City Chronicles, donc le jeu de plateau qui avait ils été... Ils ont tous des bizarres noms aussi. Ils ont tous des bizarres noms. qui avait été édité par Monolith, hein, qui est une boîte française qui fait des Kickstarter, et elle les livre. Je sais pas ce qu'il leur prend, les mecs, ils livrent, tu vois. Bon, ils ont un peu de retard sur leur dernier projet, mais ça fait partie de ces boîtes qui livrent. Je vois pas l'intérêt. Je pensais, moi, que ça ne se livrait pas, des Kickstarter. Bah, eux, ils livrent. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Alors, le bonhomme qui s'appelle Tusk, il est né à Brooklyn. C'est un voyou, vous voyez, il a été déformé. Il a une carrure immense et il s'est approprié l'identité d'homme-éléphant. Parce que on voit peut-être pas trop, mais si, c'est ça son histoire, mon cœur. Tu respectes l'histoire de Tusk, d'accord? Il a même décoré ses défenses avec des bijoux et des anneaux. Alors, on le voit pas trop, parce que là, c'est tout noir, hein, mais... voilà. Alors, c'est un vilain à la petite semaine. C'est ce que ça veut dire, vilain à la petite semaine? Ça veut dire que c'est pas... Ouais, voilà, c'est la petite frappe, quoi. C'est pas un grand vilain, quoi. Voilà. C'est un méchant, mais... Voilà, il a une petite bande de gangsters, et il est surtout intéressé par des boulots rapides, tu vois, comme des braquages, des trucs rapides qui rapportent, tu vois. Et il a été le premier adversaire sérieux de Dick Grayson. Dick Grayson,
Voilà. Acarobin, d'accord. Mais ce n'est pas Grayson qui a donné un coup d'arrêt aux activités de Dusk, c'est un autre Robin, c'est Damian Wayne qui a eu cet honneur. Ah, Monsieur Wayne. Bon, voilà pour l'histoire de Dusk. Voilà. Eh ben, on va le peindre maintenant, les copains. Allez, je pose. Je rentre. Je me suis mis la photo du bonhomme, parce que, surtout pour la tête, parce que franchement... C'est bizarre de... C'est... J'avais pas trop compris comment était fichue sa tête. Mais bon. Voilà. Alors, il y a Lumaris qui dit non, c'est toujours sympa de voir du début à la fin pour ma part. Ah ouais ? Ouais. Ouais ? Ouais. Bon, bah écoutez les gars, alors peut-être qu'on essaiera de faire ça, alors peut-être que je vais pas arrêter. Il y a Hank Gehor qui dit un centon, ça devrait le faire sur plusieurs lives. Mais il est méchant, Hank. Tu as tous les lives, hein. Il remue le couteau dans la plaie. Hein. Bah oui, mais il a raison. Non, il a pas raison, il est méchant. Théo, je te regarde en peignant. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Hobbit, il dit comme une série palpitante, hâte de voir la fin. Ah, bah écoute, on va faire ça. Alors, comment qu'on va procéder ? Bah j'en sais rien, c'est-à-dire comme d'hab, moi je démarre un truc, je vous dis on va faire ça, mais j'en sais fichtre rien. J'ai décidé ce qu'on allait faire tout à l'heure. Alors, déjà, première chose, c'est qu'il faut pas qu'on utilise le blanc en couche de base. Parce que pour peindre du blanc, si vous utilisez du blanc, quand vous allez éclaircir, qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Bah ça va rester blanc. Et voilà, ça va rester blanc. Voilà. Même ma petite de 7 ans, elle le dit. Alors à un moment donné, faut un peu que ça s'imprime. Si vous voulez peindre du blanc, ne partez pas avec du blanc. On part avec une couleur plus basse. Donc, après, ça dépend quel type de blanc vous voulez. On peut partir sur une couleur un peu crème, on peut partir sur un truc un peu bleu, un truc un peu violet, vous voyez, peu importe, mais une tonalité, enfin, plusieurs tonalités en dessous du blanc. Donc, ça peut être une couleur claire, mais il faut que ce soit en dessous du blanc pour qu'on garde le blanc pour faire nos éclaircies. Oui. Parce que plus blanc que blanc, ça n'existe pas, mon cœur. Bah oui, si c'est blanc, oui. Et qu'on est éclairci, voilà. En blanc, bah ça va marcher, ils arrivent tout blanc. Hein. Mais voilà, à un moment donné, voilà, excusez-moi, mais la vérité sort de la bouche des enfants, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut faire peut-être, histoire que ce soit pas très, pas trop ennuyeux, tout ça, je verrais bien un bleu marine foncé, ou tiens ça peut être sympa, Gabi, ça. Dit, je l'ai, si j'aurais su, j'aurais attendu, je l'ai peint durant ton dernier live. Oh. Bah alors, bah tu, bah fallait le dire que tu voulais peindre ça. Bah tu tiens pas au courant aussi. Il y a Thierry Bar qui dit un live égale un centon. Ouais. Je vais utiliser ça, regardez. Oui, dans l'idée. Noël, on va partir là-dessus. Oh, faut que je me rachète des peintures. Hein. Je suis un peu en rate de peinture. Bah c'est quand tu fais les lives que tu dis ça, toi. Les bonnes, celles-là. Je sais, mon cœur, je sais. On a plus de sous. Hein. Le, donnez au Tipeee. Hein. Sinon, j'ai plus de peinture, je peux plus peindre. Hein. Donc, faites pas des gros dons. Hein, 150 euros, ça va, c'est pas non plus. Petit don. Faut que j'achète des peintures, mon cœur. Alors, et attends, est-ce que j'ai du blanc cassé ? Qui dit les finitions comme le gros œuf, c'est sympa à voir. On peut peut-être monter comme ça, non ? Ça, ça. Dis, ça t'intéresse pas ce que je te dis ? Les finitions comme le gros œuf, c'est intéressant à voir. Il a raison. Du blanc sur sous-couche noire, demande Adeptus. Ouais, on va pas partir avec du blanc, on va partir avec une couche colorée, c'est-à-dire qu'on va partir déjà avec la couleur un peu basse, qu'on ombrera, peut-être on ira chercher davantage d'ombrage, parce qu'il y a des plis assez sévères, là, hein, qu'il faudra aller chercher. Après, avec l'aéro, on va peut-être pouvoir les sauver, certains de ces plis-là, hein, voilà. Et après, on va monter, effectivement, au blanc. Alors, moi, je serais d'avis de nous faire... Je pense qu'on va faire... Un truc, une couche comme ça. Après, on va peut-être monter avec ça. D'accord ? Après, ce serait pas mal de mélanger pour monter avec ça. Et il me faut un blanc crème. Un blanc crème. Papa, moi, je me verrais bien violette, la veste. Bah oui, mais mon cœur, le titre de la vidéo, c'est le comment peindre du blanc. Si je fais une vieille violette, tu comprendras bien qu'il y aura arnaque par sur le titre. Tu cherches quand même un peu les embrouilles, parce que la semaine dernière, c'était voilà. Le vert, tout vert. Oui. Là, c'est le blanc, tout blanc. Oui, ben oui, ben je sais pas, moi, je un sais. Peu, ouais. Non, hein. Vous dites quoi, c'est des thèmes on à la. Un ouais. Peu varié. Ah, il est là, mon crème. J'ai du crème et j'ai du il blanc. Il nous saoule un peu, pas. Okay. Ouais. Oui, ben écoutez, c'est comme ça, hein. C'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Madame Pipi, toujours tranchante. Ouais. Je suis compris, Hobbit. Oui, c'est vrai que. C'est pour ça que je sais pas si c'est une bonne idée de peindre en live avec vous. Hein, avec moi. Avec vous. Ah, on va monter comme ça. C'est pas mal, non? Et puis on se gardera le blanc pour les derniers éclaircies. Bon là c'est surexposé parce que comme la figurine est noire, voilà, mais après je vais gérer l'exposition pour que vous puissiez toujours voir le travail. D'accord ? Allez, je parle là-dessus. Il y a Joe Reduce qui dit de mon côté je m'attaque à Bane, B-A-N-E, Bane. Bane. Je sais pas comment on dit.
What a Bane, je l'ai peint lui déjà. Gaël Bisson il répond, je comptais garder Bane car je fais de temps en temps des stages de peinture avec un peintre pro et je voulais bosser la carnation avec lui. Ouais, très bien Bane, il y a pas mal de peau effectivement, hein, c'est sûr. Netflix, il cherche les excréments pour le moment, full vert, full blanc, semaine prochaine full noir. C'est ça, moi franchement. Bah oui, comme ça, écoutez, vous aurez toutes les couleurs. Trop de vert, tout le vert, trop de blanc, tout le blanc, j'en ai ras-le-bol. Bah c'est le titre de la vidéo, je suis obligé d'aller au bout maintenant les gars. Qui dit la semaine prochaine, Zeus peindra un schtroumpf. Je suis obligé d'aller au bout maintenant. Ah Mika, je le reconnais bien là, il y aura des balafres, il demande. Ah, alors peut-être. Ah, non, pas... les balades. En fait, c'est bien d'habiller quand c'est un peu vide des zones, mais on verra. On verra. Moi, c'est bien. Enfin, après, quand... sauf quand c'est justifié par la figurine, tout ça. Mais faut que ça raconte quelque chose, quoi. Donc, c'est bien quand ça raconte quelque chose de mettre des balafres, je trouve, quand elles sont sculptées, quand c'est là. Et c'est bien aussi pour rattraper des fois des erreurs, hein, quand vous avez des dégradés qui sont pas. Où vous êtes un peu raté, où il y a des endroits où c'est pas précis et que vous galérez à rattraper quelque chose qui a un peu d'allure, une bonne balafre. Hein. C'est quoi une balafre ? C'est une cicatrice, quoi, une blessure un peu, tu vois. Je comprends pas quand je vais sur du sang, une tache, enfin voilà, il y a des trucs quand qu'on peut. Quand je vais sur mon téléphone voir le YouTube, le live en ce moment, j'ai pas accès à la messagerie cette fois-ci. Pas moyen d'accéder au message. Tu peux pas déjà poster. J'étais comme déconnecté, j'ai dû me reconnecter. Bah alors, eux ils postent. Que ça fait des lustres que j'avais pas mis mon mot de passe, donc j'ai dû changer de mot de passe parce que je m'en rappelle pas. Ah bravo. Donc j'ai dû refaire mes comptes. J'arrive à refaire un mot de passe et j'arrive pas à accéder au chat. J'ai pas accès au chat. Ah bon. J'ai la vidéo mais pas le chat. Je comprends rien. Bah oui, mais tu vois. Lumaris, de mon côté, quand je parle montée en blanc, c'est la chantilly maison. Ah, Rocotti Freddy aussi, quand il parle montée en blanc. C'est bon. Pardon. En attendant de me lancer vraiment dans la peintouille, je suis juste admiratif pour le moment. Alors attends, il n'y a rien à admirer, pour l'instant, j'ai rien fait. Ouais, Mickey 24, il dit le vent du rêve, ouais, c'est clair. Pour l'instant, je vends du rêve. Voilà. Courageous, Bane dans la boîte de base, Zod, tu dois l'avoir, et du coup, Gaël, tu peux faire un stage avec Zod. C'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais faire un stage avec moi. Tu pourrais. Ça dépend où tu habites après, hein, cela dit. Parce que je suis dans le sud, moi. Alors là, j'hésite pas à aller chercher les ombrages. Vous voyez, je cherche pas à faire un éclairage zénithal avec mon aéro. Hein. Je cherche quand même. Alors, je vais pas aller taper par en dessous non plus, puisqu'on va garder ces ombres noires. Mais j'hésite pas à attaquer selon un angle par le haut, par le côté, voire un petit peu par le bas. Sans, voilà, dans cet angle-là, voilà, je vais pouvoir aller. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais pas y aller parce que là, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça va être travailler le dessous. Mais je vais y aller par petite dose, voilà, comme ça. Allez, pas plus. Donc l'idée, là, c'est d'avoir un bleu. Voilà, quelque chose de bleu comme ça, là. Ouais. Voilà. Ça permet d'avoir une base qui soit pas noire. Thierry, bar, ça sonne si Madame Tiffy comprenait quelque chose. Qu'est-ce qu'il est méchant! Oh, il est méchant! Thierry, t'es plus mon copain. T'es pas gentil. Hein. Alors, vous aurez compris que quand je fais ça, je me fous complètement du visage et des poings et tout ça. Hein. Et de la peau, hein, du bonhomme. Hein. Et Marc Gervais, il a raison. Il fait 34 pouces sur 65. C'est vrai. C'est pas bien. Ça, je dis rien. C'est pas bien, les gars. Les gars et les filles. Il n'y a pas moyen, j'accepte pas au chat. Hein. Ben peut-être que t'as, à cause de à force d'être vulgaire, t'as été banni. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, voilà. On va laisser ça. Donc on a fait un premier montage. Et pas voilà, c'est première base quoi. C'est pas non plus. Allez, on va monter un peu. On va monter un peu l'exposition, le gain pour que vous puissiez voir mieux. Donc là, je pense que ce sera mieux. Voilà. À cette distance, ça me paraît correct. Ah, pute pute. Je sais pas, c'est un voisin qui... C'est un voisin qui pute pute. Ou alors, si je monte directement, que je baisse là. Là, vous voyez plus rien. Mais que je monte l'expo. Ah. Peut-être ça parle, ça. Non ? Voilà. Là. Ah, c'est surexposé pareil. Hein. Ça change pas le schmilblick. Hein. Voilà, bon là vous voyez. Allez, je veux pas trop surexposer parce qu'après le blanc c'est agressif, je trouve, pour les yeux. Allez. Slender Théo il dit un live full pinceau ou aéro pourrait être sympa, cher. Ouais. Alors full aéro,
Full Aero, je trouve que on peut. Full Aero, pour moi, c'est pas quelque chose que je fais. Parce qu'avec l'aéro, on peut pas avoir la précision qu'on a après au pinceau. Donc, on peut aller très loin avec l'aéro, mais après, je finirai toujours au pinceau, moi, je trouve. Après, peut-être qu'on peut tout faire à l'aéro, mais moi, j'ai pas cette précision-là. Et puis après, quand on veut vraiment taper du détail à l'aéro, non, c'est pas possible pour moi. Compliqué. Mais ils sont bien mauvais avec moi ce soir. Qu'est-ce qu'ils te disent, mon corps? Oh, qui dit Dame Tipeee a peut-être pas mis le sien de pouce. Thierry Var, je suis peut-être pas gentil, mais moi j'ai mis mon like. Ben ça fait, messieurs, dames. Sachez plastique. Que. Tiens, mais c'est pas. Bah, on voit pas, c'est nous, mon cœur. Vous n'avez pas. Bon. Sachez que je l'ai mis tout de suite. En cette mauvaise langue. Ah oui. Vous êtes mauvais. Oui, vous êtes mauvais. Difficile. Joanne vient de supprimer ma petite fille, va aller à la douche. C'est ça. Il y a Joanne en bas de nos fenêtres. Hop, ça y est, c'est Secos. Donc maintenant on va passer à celui-là. Donc un peu plus clair. Donc je vais monter avec celui-là. Je pense qu'il va être peut-être même pas assez clair. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit encore plus clair. Donc je vais peut-être le juger. Je vais mélanger parce que vous voyez la différence de couleur. Bon, il y a une différence, hein, on le voit dans le godet. Hein. Mais comme ça va se mélanger. D'ailleurs, tiens, je vais faire autre chose. Je vais carrément nettoyer mon godet. On va faire ça. Parce que sinon, on va se trimballer la couleur d'avant pendant 107 ans. Et ça va pas le faire. On n'est pas là pour traînailler. Hein. On a mis 107 ans à sortir un Hulk. C'est bon, quoi. On va pas passer 107 ans à sortir un Tusk. Surtout que Tusk, c'est un mec complètement inconnu. Tout le monde s'en fout. Hein. Qui connaissait Tusk là parmi vous? Hein, personne, je suis sûr. Ouais, Gaël Buisson, il dit ce serait un rêve, une consécration de peindre à Exos, mais effectivement, il est dans le sud et en termes d'organisation, je suis un peu ric-rac. Pourquoi t'es où, Gaël? Faudrait que. On avait dit qu'on ferait le tour de France, hein, de la Zos Family. Oui, bah après, Zos Family, le pauvre, t'imagines le gars, il nous fait venir et trois personnes? Ah ouais. Moi c'est supportable, mais vous deux vous êtes insupportable. Ah bah oui, puis nous il faut de la place alors que toi, hein. Moi je suis rien te permet de vivre. Problème de micro pour Dame Tipeee. Ah on m'entend pas, on t'entend pas assez. Je pense, tu sais quoi, que il faudrait que tu. C'est à cause du sèche-cheveux avec l'option bruit réduit, dit Mika. Je pense que c'est ça. Je pense, tu sais quoi, attends, regarde, je vais faire un truc. Tu es au même endroit et t'as... Non, mais je pense que c'est. Je pense, regarde. On va solutionner le machin. On va mettre en. Clermont-Ferrand, Gaël. Ouais. T'es pas tout à côté. C'est. Est-ce que là, c'est mieux? Vous entendrez peut-être plus Madame Tipeee, là. Dites-moi, vas-y, parle. Blablabla. On me dit des trucs intéressants. Que soit... Bienvenue dans le Nord, dit Hobbit. Là, peut-être que ce sera mieux. Qui dit non, c'est à cause du sèche-cheveux. Bah, si vous l'entendez pas, je vois pas en quoi ça masque ma voix. Ils ont pas logique. J'ai pas compris. Oui, puis ta voix, elle est pas non plus. Ouais, hein. Puis vu ce que je raconte, n'est-ce pas? Ça m'énerve ce truc-là du téléphone. Pourquoi d'un coup j'ai plus le chat? Pourquoi? Bah, éteins et redélance ton téléphone. Je vais faire. Bah, c'est pas tant mon téléphone, c'est YouTube. Hein. Le chat, il marche parce que les autres, ils chatent. Oui, non, mais bien sûr, je vois le chat sur ton téléphone, y a pas de soucis. Hein. On entend trop Zoz, il écrit. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est très vilain, ça. Des trucs intéressants, une femme, allons Zoz, en. T'as vu comme ils sont ce soir? C'est pas une chaîne. Je vais dégager. Ouais. J'ai fait une chaîne de macho, prends compte. Il y a des. Alors qu'on est dans à l'ère du wokisme, ben moi j'ai fait une chaîne de macho, j'ai tout compris. Coucou Ed Mimi. Il y a Mika qui dit le son nickel, mais Slender Théo il dit oh merci Night Stalker, 5 euros. T'as vu Zoz? Ah le son nickel. Ouais. Ah merci, ah oh, j'avais pas vu. Il Night a fait Stalker, ah il a fait sur euros. Le. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup Night Stalker. Ouais. 5 euros, vas-y. Quoi? T'es content? Oh, c'est pas moi qui me l'as commenté. Tu pourrais pas m'écouter, toi? Oh, t'es dingue, toi. Non, mais tu sais, 5 euros, combien de temps tu mets à les avoir, hein? même avec l'histoire des 10 centimes par gros mot derrière. Ne l'écoutez pas, c'est trop fou, combien de temps tu mets pour avoir 5 euros? Jamais. Et c'est énorme. Tu t'en rends? Tu sais quoi, tu vas me les filer, les 5 euros, puisque toi, tu trouves que c'est rien. Carrément. Parce qu'elle a trop d'argent, cette fille.
Ouais, c'est ça. Incroyable. Je sais, vous pourrez me prendre dans la tirelire au moins. Ça y est, tu vois, d'avoir coupé et remis, et ça marche mieux. Ça marche, oui, ça alors, marche. Il y a Slender Théo qui dit plus de saturation de micro pour Dame Tipeee. Non, plus. Plus, à mon avis, plus. De saturation. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a, a pas de saturation, c'est très bien. Voilà, là, ça monte un peu, vous voyez, bon, ça monte au bleu. Hein. Rigole, des 5 euros, j'y crois pas. Tu vois ce que c'est que les gosses de riches? T'as qu'à nous les donner, bah ouais. Bon, toi, elle est bonne celle-là. Ça, c'est parce qu'on est trop riche, mon cœur. Elle est habituée à... Là, vous voyez, je suis un peu plus zénital, je vais moins chercher le bas. Enfin, un peu plus zénital, je suis jusque dans cet axe-là, mais je vais plus taper par en dessous, d'accord? Au fur et à mesure, je réduis l'inclinaison pour qu'on ait quand même un éclairage qui, globalement, quand on passe de là à là, ils sont en train de diminuer. D'ailleurs, on le voit déjà, vous voyez. On le voit déjà. On voit un peu trop tôt, là. Il faut insister davantage. Il y a Ned Stalker qui est pas... qui le prend pas mal, hein. Ah, excellent roman, j'adore. Allez, sans filtre, hein. Ah oui, vous voyez, on... Tenez, je vous fais un don de 5 euros. Libre. Ah ouais, 5 euros? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu tout ce que t'as? Eh hey, toi, si le jour où t'as une chaîne YouTube, je vais regarder H24. Hein, parce que là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Si t'as une chaîne YouTube, hein. Faut surtout pas faire comme ses parents. Hein. Il faut que tu prennes ta liberté. Donc. Il faut que tu fasses ce que t'as dans ton cœur. Et toi, dans ton cœur, ce que t'as, c'est du capitalisme et gagner de l'argent et écraser les pauvres. C'est ça ce que t'as dans ton cœur. Eh ben, non, on t'encouragera dans cette voie. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Oh. C'est quoi que t'as dans ton cœur? C'est juste que j'ai envie de pas avoir trop d'argent, mais d'en avoir un peu. Ah. Oh, c'est beau, comme tu dis, mon pauvre. Et ne pas, et ne pas se ficher des autres s'ils sont pauvres. Mmh. Oh, c'est beau, comment tu parles, mon cœur. Mmh. C'est beau. Donc, si j'étais payé 5 euros de l'heure, je me lèverais même pas. Tu me dis que je suis libre. Ouais. Mais là, t'es en train de me dire un truc que c'est pas ça du tout que j'ai dans le cœur. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à ça. On tente. C'est-à-dire, là, je fais un gap, hein, vous voyez. Je passe de ça à ça. C'est-à-dire au vert auguste, c'est une espèce de vert clair, c'est un vert bleu. Donc comme ça c'est un peu bleu, je me dis qu'on est dans la continuité, on est pas mal. Hein, vert bleu. C'est bizarre, il les écrit tout en gras les dons, t'as vu? Oui, c'est tout. Alors je sais pas s'ils les ont comme ça ou comme ça, parce que là c'est bien. Bah là c'est bien, mais sur la vidéo ça sort très gras, je trouve. Bah, c'est pas joli. Bon, c'est pas lisible. C'est pas lisible, hein. On pense qu'il a donné que 5 euros, ce rein, alors que... Ça va nous faire la soirée. Ah là là. Night. Je vais en faire une petite. Je vais en faire un petit short de ça. Tiens, c'est bon. Numarice, Roman, c'est la spécialiste community manager qui rentabilise le temps de live de son père pour faire vivre sa famille. Bien joué, Roman. Elle est trop forte. On l'a mieux élevée que ses parents. Ouais. En fait, elle est plus efficace. Ouais. Du coup, je vais te donner. Plus commercial, toi. Il y a Poney. Hello à tous. Bien le bonsoir, Zoz, Émilie et la petite. Bonsoir, petit Poney. Coucou, Poney. Mick, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est clair, là. Hein. T'as vu? Mais bon, on va tenter. On va voir. Si c'est trop clair, on fait des petits pchits et puis on va voir. Hein. Ah oui, ça, la vérité sort de la bouche des enfants. Hobbit, il dit du coup, j'ose plus donner. Ah ben c'est sûr que là... Il nous a tout cassé. Ah, tu vois, les gens, ils étaient prêts à donner une petite somme. Ben, oh, tu les as complètement... Night Stalker a dit reste libre, Roman, on t'aime comme ça. Oh bah vous voyez qu'on la limite pas. Hein. Voilà. Alors, j'essuie mon pain. T'es en mode enfant, sans filtre. Ouais, toi aussi, t'es trop sans filtre. Faudrait que je te limite un peu, toi. Comment ça? Ouais, je sais pas. Bah moi, j'ai été très content des 5 euros de Night. Bah oui. Elle est bonne, celle-là. Prends pas compte, ça fait. Prends pas compte, trois parties de salaire de maman sur une journée. Oui, avec toi, ton salaire, c'est presque pas fou. C'est triste. Alors attends, bouge pas. Bah attends, il rigolait en disant 5 euros de l'heure, mais j'en suis pas. Bah oui. C'est
à combien? Bah écoute, je ferais même pas calculer. Non, calcule pas, sinon elle va arrêter de bosser. Bah oui, il disait d'ailleurs, je me lèverai même pas. Et ben, tu sais que quand on réveille sonne à 6h45, j'ai un peu du mal à l'envisager. Voilà, là j'attaque avec le Blancos. Enfin, pas le Blancos, le vert 974, François Auguste, c'est une espèce de vert bleu très clair, désaturé. Vous voyez? Il est beau, hein? Non, il est beau. Il y a Mika qui dit bon, dorénavant, faut donner une fois Roman au lit. Oui, non, là. Donnez pas la main, vous allez vous faire ouvrir. Ouais. C'est soit vous donnez 5 euros, et encore, non, je crois qu'il faut taper 100 euros. Si vous donnez pas 100 euros, elle veut même pas en entendre parler. Elle veut pas en entendre parler. 10 euros, c'est bien. Attends, on dirait qu'on l'a payé, nous, par contre. Ok, hey. Bonsoir. Je vais l'envoyer négocier tous mes contrats, moi. Si j'ai des contrats à négocier, c'est j'envoie ma fille. On a les enfants qu'on mérite, dit Phil. Mais je crois qu'elle a surtout compris que ses parents travaillaient pas pour le blé, et voilà le résultat. Possible, moi, j'ai... Enfin... Moi, je travaille pour... Enfin, oui, j'aimerais, mais ça paye pas. Nous deux, c'est sûr que manifestement le. Ah, on n'est pas des exemples de businessman. Ben ouais, quand j'étais dans les... quand j'étais dans l'immobilier, c'était pas mal, c'était bien, c'était mieux. Oui, mais t'étais pas là-dedans pour ça et ouais. Tu faisais pas des salaires d'agents immobiliers typiques tous les mois. Typique, non, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je gagne pas, tu faisais pas toutes les soirées mondaines pour récupérer des clients. Ah non, voilà. C'est sûr que je préférais peindre des petits bonhommes. Ça, c'est sûr que là, t'es mort. Rudy Nedelec, hop, le petit pouce qui va bien. Merci Rudy. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait longtemps. Bah ouais, faudrait que tu... C'est vrai, mon cœur, faudrait que tu peignes, t'aimes bien toi aussi. Hank, j'ai un frangin qui fait comme Dame Tipeee. Oh, eh ben dis donc. Ah ouais. Bon courage. Comment ça s'appelle ton métier, c'est AESH. AESH. Oh d'accord. Mais non, mais j'ai. Toi-même, tu sais pas quoi je sers. C'est très rassurant. Un frangin, donc c'est cool, hein, parce qu'on manque d'hommes hein, dans ce milieu, je trouve. Hein. Il y a plein de gamins qui, franchement, je suis sûre que ça marcherait mieux avec des hommes. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes que ça. On n'est pas sur du blanc, mais... Hein? Oui. Je le suppliais de rire, dit Night Stalker. Quel buisson, ça se voit que les infos sont tombés lundi dernier. Ah ouais. Oh là là, nous on s'est fait ouvrir ce mois-ci. Bah toi, oh la vache, ouais. Et nous par votre conséquence. Ah ouais. Oui, il y a des trucs. En fait, le problème c'est que t'as en plus des trucs qui tombent. Il faut que tu fasses modifier d'ailleurs ton prélèvement à la source du coup. Ouais. Mais non, mais je vais toucher, mais normalement, quand YouTube il a 70 euros, il est censé me virer l'argent. Virer, dégage. Mais il vire que tous les 70 euros pour l'instant. D'accord, connais que ça. J'ai pas si j'ai compris. Quelle heure il est marron? Alors. Maroman, il est 21. On va passer à ça. Ok. Donc vous avez compris, on a fait ça. Donc un bleu marine foncé. On est passé avec un Caspian Blue. C'est un peu le même style, mais plus clair. Après, on est venu monter quand même un peu plus haut avec notre vert. Alors, c'est bien, parce que du coup, ça nous fait du bleu, on passe au vert. Là, on va passer sur un éclairage avec un ton crème qui est un peu chaud, un peu plus chaud dans la tonalité. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir du chaud-froid. Qu'est-ce qu'il y a, ma poutine? Bah, elle est triste parce qu'il faut aller se faire coucher. Bon, encore 5 minutes et on y va. Mais oui. Le problème, c'est que s'il faisait le mardi, ben, j'aurais pas école le lendemain. C'est vrai, mais je fais pas le mardi. Bon, pourquoi je fais pas faire le jeudi, en fait. Je sais plus pourquoi ça a été juste pour t'embêter, mon amour, à mon avis. Non, mais ça a été stratégiquement parce qu'à l'époque... Je sais pas pourquoi on a commencé à mettre. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir quelqu'un d'autre qui faisait des live peintures le mardi. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être con d'être sur le même créneau. Ouais. Ouais, peut-être que c'était ça. Bah, et inversement, on prend potentiellement du public à d'autres qui peuvent être bien aussi. Oh, mais ça, je m'en fous. Moi, je prends le public de tout le monde, moi. Ouais. Qui c'est que je pourrais prendre le public de qui, là? Ouais. Après, c'est les gens que j'aime bien. Oui, mais voilà. Alors, que veux-tu que je te dise? Il y a Gério, très bien, il fait des lives souvent, Gério. Très, très bon. Avec de tels salaires, tu peux pas attirer beaucoup de monde non plus, dit Hank. C'est clair. Non, mais je sais très bien que c'est pour ça. On n'attire pas grand monde, et surtout des femmes, parce que c'est en fait un boulot qui complète la vie de famille, en fait, et le fait de gérer les enfants. Le seul avantage, c'est que t'es sur des rythmes où tu peux t'occuper des enfants. Quoi. Bah, c'est ça. Quand t'as les enfants, tu ne bosses pas le mercredi, tu vas pas bosser le week-end. C'est exactement ce que je viens de dire, mon amour. C'est exactement ce qu'elle vient de dire, mon amour.
Lubarise, dans l'immobilier, c'était surtout pour finir à la TV avec Plaza, vous. Ouais. C'est vrai qu'une fois que j'ai fait ça, après. Non, quand même, quelques années, t'as continué. Oui, j'ai continué après un peu. Non, mais par contre, c'était une bonne expérience. Oui, c'était sympa. Allez, on est monté au blanc. Alors là, du coup, je vais pouvoir descendre mon gain, parce que sinon, vous n'allez plus rien voir. Coucou Xewa Max. Il dit qu'il faut se reconvertir en peintre de santon, ça fait bien. Tu m'étonnes. Mais c'est pas. Tu sais quoi, c'est peut-être varié en plus. Mais carrément. Attends, quand tu vois le prix des santons, à mon avis. Voilà. Pas donné, en vrai, santon. Là, comme ça, vous pouvez voir un peu. Hop. Donc avec ma crème, vous voyez, je vais me lui taper ici. Donc vous voyez, en fait, on n'a pas utilisé de blanc. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de blanc. C'est quoi celui-là, donc? C'est un crème. Tu ne sais rien de ce qui se passe, toi. Bah non, je peux pas tout faire. Hein. Moi aussi, je croyais rigoler, que c'était un lire, et en plus, regarder ce que tu fais. Hein. C'est ce qui est un peu le cas de... Voilà. J'essaye aussi de faire un éclairage central. Je sais pas si vous en rendez compte, mais souvent, on a tendance à faire un éclairage zénithal au bas quand on peint. C'est aussi important de raisonner gauche-droite. C'est-à-dire que les flancs de votre figurine soient légèrement plus sombres que la partie centrale de votre figurine. Ça, on a tendance à le négliger quand on est peintre débutant. Enfin, peintre débutant ou pas peintre débutant, mais bon, bref. C'est, on peut avoir tendance à négliger ça, alors que c'est important. Il a raison, Obit. Il dit, tu préfères la concurrence du rugby, même pas peur. C'est clair, ça nous a fait mal quand même de... Mais il y a encore ce soir, peut-être, non? Je sais pas, ce soir. Ce soir, il y a du rugby ou pas, les gars, là? Que nous, rugby, foot, on ne suit pas, alors. Eh ouais. Après, c'est pas que j'aime pas. Hein. Je reconnais que quand je tombe dessus, c'est franchement... je trouve ça intéressant. Surtout le rugby, le foot, ça me passionne moins. Mais le rugby, je trouve ça classe. Moi aussi, je préfère. T'aimes bien, toi? Voilà, là on a... peintre en bâtiment, il réunirait ses deux passions, la peinture et l'immobilier. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. Donc voilà, là ça peut bien gagner aussi. Hein. Là on a bien le genou, je vais peut-être pas aller le chercher, si, un peu quand même. Allez, je vais chercher le genou parce qu'il me reste quand même le blanc. J'ai toujours pas utilisé ma cartouche du blanc. Ah, il a déjà commencé la peinture, et dit Mika Junka. Voilà, donc de dos, vous voyez, ça fait un peu costume blanc déjà quand même. Hein, Et c'est pourtant, c'est pas utilisé du blanc. Qui peut utiliser du blanc. Alors maintenant, on va maintenant vider notre crème et on va faire... Oui, en plein dedans, il dit Hobbit. En plein dedans, match. Quoi? Bah, apparemment, il y a... Ah, il y a encore un match. Mais arrêtez, mais qu'est-ce qu'ils font en jouer? Mais ils sont pas fatigués, là. Tu joues toi aussi, mince. Tous les... Et si tu te mets... T'aurais dû faire ça. T'aurais dû te mettre en sportif, en rugbyman ce soir. Pour être d'accord, mon cœur, peut-être on aurait attiré les gens devant la télé. C'est vrai, peut-être que les gens se seraient dit, tiens, je vais regarder un couillon peintre, un petit bonhomme en plastique, plutôt que de... C'est quoi le match d'ailleurs? Ça doit être un match... Je sais pas. Mais regarde, tiens, renseigne-toi sur ton internet, là. Alex Combo, coucou. C'est qui, Alex Combo? Ils sont deux. Non, mais c'est pas Poto? Alex non. Combo? Non, c'est pas le Alex auquel tu penses. D'accord. Non. Enfin, j'ai eu au téléphone. Moi, j'en sais rien. Alex Combo. Qui es-tu? Qui es-tu, Alex Combo? Alex Combo, si je te dis remboursé, qu'est-ce que tu me réponds? On va voir si c'est le Alex. On va voir si c'est le Alex Combo. Je l'ai eu au téléphone hier, en fait. Ah oui? Oui. Faudrait que je l'appelle. Chaque fois, je l'appelle pas, moi, c'est pas sérieux. Bah oui, il m'a dit de te passer le bonjour. Bah ouais, c'est pas sérieux. Enfin, tout le monde sait que tu rappelles jamais, de toute façon. Je rappelle que les clients. Là, en ce moment, je rappelle les clients. Ah bah c'est déjà ça. Ce soir, rugby, Japon, Samoa. Japon, Samoa, mais qui s'en fout? Mais oui, je m'en bats. Qui est devant la télé pour Japon, Samoa? T'en fous, toi? Moi, je m'en fous aussi. Japon. Tu aurais pu peindre un rugbyman, c'est pas mal ça. C'est vrai. The Chabal, c'est pas mal aussi. Ah, c'est Poto, Alex Combo. Comment tu sais? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, Bédi Bouddha. Ah, bah oui. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui. On est sûr, c'est lui. C'est bon, on a reconnu. On t'a reconnu. Faut que je t'appelle, mon poteau. Hein. C'est vrai que j'appelle pas beaucoup. Bah oui, tu peux m'appeler que moi parce que tu aurais pas. Bah ouais, après il va croire que je le boude alors qu'en fait je l'aime beaucoup, mais. Je le raconte tout. Mais hier, j'ai pas eu le temps de lui raconter notre conversation. Je vais finir par le tromper avec toi, hein, poteau. Ouais, je sais que vous entendez bien. Mais tu sais quoi? Tu me tromperais avec lui? Ouais, je le prendrais pas mal. Voilà, dirais... Franchement, c'est un mec bien. Moi, je comprends. Elle a pas choisi n'importe qui. Peinture du buste de Philippe Etchebest. Ah oui, je l'aime bien, Philippe Etchebest. Je sais pas pourquoi je l'aime bien, je le connais pas, mais je l'aime bien. Ouais, ça se trouve, c'est un sale enfoiré. Ça se trouve. Mais pas, on peut pas dire ça, mon père. J'ai dit ça se trouve.
Thunder Théo, si vous appréciez le rugby, pourquoi ne pas peindre du Blood Bowl? Eh oui, c'est vrai, Blood Bowl. En plus, il y a des belles figurines Blood Bowl. Il faudrait, faudrait que j'en ai à peindre. Après, en plus, le problème, c'est que quand tu commences à attaquer, il faut faire l'équipe, quoi. Hank, il dit les Japonais sont trop petits pour jouer au rugby, non? Mmh. Tu vas se faire kicker la chaîne avec vos conneries, là. Coucou, Eric. Thierry Var, tout le monde sait que Zoz est très réactif sur Discord. T'as raison. Qu'est-ce qu'il est méchant. Hein? Non, Discord, bah, j'avoue, j'ai laissé tomber, j'arrive pas. T'as laissé tomber parce qu'il y a eu un moment où tu l'activais un petit peu? Et alors, et j'ai une chaîne jeu de rôle aussi maintenant, hein, parce que moi, dans l'histoire, je me suis lancé sur la chaîne de rôle. Je vais publier une partie, d'ailleurs, dans pas longtemps. La partie avec, avec le zombie des 100 systèmes de Damien Coltis, qui va être Octogone, d'ailleurs. Mmh. Eh bien, j'ai fini de monter la partie 1. Donc, je vais la publier peut-être demain, ce soir ou demain, je sais pas. Donc, ce sera une partie avec son décent système, partie de rôle. Pour ceux qui aiment le jeu de rôle, après, il y en a là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ils s'en foutent. Et ben, je vous comprends, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je vous comprends aussi. Hein. Oui, toi, tu ne suis pas le jeu de rôle, ton. Allez, je suis au blanc là. Rien que d'en parler, tu me fais bailler. Ouais, j'ai compris. Hank, ou alors c'est une équipe de sumo. Ouais, ça pourrait être bien. Voilà, là je monte au blanc, et du coup je me concentre uniquement, alors après c'est vrai que le blanc, je suis en train de me rendre compte, mon cœur, que à la caméra, c'est pas le plus facile, parce qu'il faut régler tout le temps le gain, pour que ça reste visible. Ah. Est-ce que c'était une bonne idée de vidéo? Oh finalement. Non, mais c'est pas possible. C'est trop tard, j'y suis maintenant, j'y suis, je le fais. Coucou Benjamin voilà. Cortès. Coucou Benjamin, j'ai vu le chat en fait, hein, les vidéos, les photos de ton chat. J'ai pas répondu. Ah oui, il est très mignon. Bah, tu sais, c'est les bébés chats, c'est toujours beau. Bah oui, faut qu'il arrive. Là, c'est aussi les vieux chats, c'est joli. Bah, tous les chats, on adore les chats. SR Miniature, bonsoir. Bonsoir, SR Miniature. Bienvenue. Installe-toi. Il y a Night Stalker qui dit, Zoz, c'est quoi ton top 3 de tes jeux avec figues préférées? Alors, bah après, j'en connais pas des millions hein, non plus. Hein. Donc de ceux que j'ai joué, on va dire, hein, que je connais. Ouais, j'adore la mécanique de Rivière de Conan. J'aime bien Batman aussi, parce que c'est un peu le même mécanique. J'adore Dark Rituals Maleficum. En jeu de figurines. Ouais, parce que les figurines sont belles, les plateaux sont très beaux. Zombicide, il est bien. T'avais bien aimé toi aussi, Zombicide. Mmh. Zombicide, il est très bien. Je trouve, il est très dynamique, ça ouais, bouge. Très bien. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien... J'aime bien Solomon Kane, mais c'est dommage, c'est très compliqué, c'est un peu lourd, mais j'aime bien, parce que c'est un jeu narratif. Tu confonds, c'est pas Zombicide que j'ai testé, c'est Solomon Kane. Non, mais t'avais joué à Zombicide il y a très longtemps. Tu te rappelles plus, mais t'avais joué. Le jeu avec des zombies. Ouais, t'avais joué. Oui, ben, j'ai compris, merci Zombicide, je me doute bien que c'est pas avec des tartampions, hein. Des légumes ou je sais pas quoi. Non, mais quand même, Zo, tu me prends pour une débile. Bah ouais. Ouais. Slender Théo du JDR pour matérialiser les PJS, tu utilises tes figurines, c'est quoi le PJS? Bah oui, après tu peux, alors je le fais quand on joue sans partie filmée, c'est vrai que je le c'est tentant. C'est tentant, après je trouve que ça fait des manipulations, mais c'est vrai que j'aurais tendance à le faire. Par contre, quand je fais en actual play, parce que je filme beaucoup, pas mal de... Enfin, j'essaie de filmer les parties que je joue, et du coup de les mettre sur la chaîne, je le fais pas parce que je trouve que... si t'as pas de quoi les filmer, de rendre ça intéressant, c'est compliqué, ça ralentit le rythme, voilà, donc ça peut être sympa pour nous, mais après, à regarder en actual play, je trouve que c'est pas efficace. Mais sinon, oui, c'est top. Hein. En plus, tu peux utiliser tout à fait les plateaux que tu as dans tes jeux. Tu prends les plateaux... moi, j'ai hâte de recevoir, par exemple, le jeu de rôle Batman, parce que le jeu de rôle Batman, avec les plateaux de jeu Batman et les figurines Batman, waouh, ça va être top. Allez, bonsoir, on arrête l'aéro. Il y a Hobbit qui dit « Fonce, c'est la mi-temps !» Eh ben, tu rigoles, mais on est à 81. Ah ouais, tu vois. Depuis le début oui, la mi-temps. Mais parce que tu sais quoi, le match doit être chiant, donc les gens viennent voilà. Merci de venir nous voir, les gens, les 81. Et tu vois, Anki dit, c'est vrai que le tout vert puis le tout blanc, 84. C'est risqué. Bah oui, évidemment. 84 spectateurs simultanés. Ouais. Alex, il dit, franchement, rien qu'avec 3 coups de blanc sur les épaules pour choper la lumière, comme dit Zozo, eh ben, c'est déjà réussi. C'est le GG, j'ai hâte de le voir fini, ce bonhomme. Allez, je mets ça là, je mets ça là. Maintenant, ce qu'on va faire, le copain. Ça, je jette. Je jette là-bas. On va utiliser, on amène la palette.
on passe salut en... les opins. Allez, tout. Dit Philippe. Oh, c'est bien Philippe. Ça, les opins. Ouais. C'est pas mal, tu vois. Ouais, mais c'est un peu mégalo. C'est ouais, risqué de garder ça. Mais je m'en fous, je suis mégalo, moi. Attention, ton. Descends ton zombie. Oh. Ah, le chaton va s'appeler Stitch et c'est un croisé Maine Coon et chat du Bengale. Et ça va avoir l'air néon, ça. Ça, à mon avis, si on te le chope et qu'on le vend sur eBay. Bah, ouais, il y a des gens qui, du coup, les font pas sortir quand c'est des belles races comme ça. Voilà où qu'on en est. Galbuisson, j'ai hâte de le recevoir et de lancer ma carrière de maître de jeu. Alors maintenant, ce qu'on va faire... Letfa aussi dit, mais que 54 likes. Oh, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est vrai, 84 gens, 54 likes, c'est... Oh, vous foutez du monde ou quoi, là? Papa, non? Merde! Ouais, 84 spectateurs simultanés. Mais oui, 84 spectateurs simultanés. Oh! T'as raison, mon cœur. Ouais, mais t'as bien sûr. Ce que je fais, je vais... Alf aime les chats, je ne sais pas. Je vais avec cette couleur-là, parce que c'est la peau, c'est ça que je vais utiliser pour faire la peau de mon éléphant. Parce que si je fais une peau grise, sachant qu'il a déjà un costume blanc, ça va être un peu tristoune. Donc je vais plutôt partir sur une peau un peu marronasse que je vais monter après en lumière. Ça te dérange si je parle? Non, c'est vrai, je savais pas que c'était un éléphant. Bah, c'est un homme éléphant. Pour ça. Alors, attends. Ils sont mignons parce qu'ils m'expliquent. Slender Théo, il dit pour Madame Tipeee, PJS, personnage joueur au pluriel. Ouais, c'est ça, vous c'est voyez. Mignon. Je vous mets un peu le modèle là, regardez. Vous voyez un peu la tronche. Hein, on n'a pas Obélix, Roman, ce soir, mais on a Montbélix. Voilà, vous voyez un peu le bonhomme là. La tête qu'il a. Oui, aussi. Voilà, c'est ça sa tête. C'est ça sa tête. Donc je vais plutôt partir avec une peau un peu comme ça. Hein, et qu'on montera peut-être d'ailleurs un peu avec de la chair et du jaune pour casser avec le froid du costume. C'est bien de varier comme ça pour créer du contraste, vous voyez, de faire du chaud, du froid selon les matières. Donc là, je vais baser ma peau. C'est pas que je vais faire la peau, mais ça va me permettre en fait de voir si mon blanc fonctionne. Parce que là, j'ai l'impression que ça pourrait ne pas fonctionner parce que je suis noyé avec le blanc qui est partout, partout. Donc je vais baser juste la peau pour avoir de la visibilité et voir où j'en suis. C'est quoi ça, mon cœur? Pourquoi ça met ça? Stream Element, c'est rien, c'est un bot. C'est quoi un bot? C'est compliqué, je sais même pas moi trop ce que c'est. Alors, c'est un gars qui vient voir, mais il n'existe pas, c'est un truc informatique. Qu'est-ce bonsoir que... les gens, dit Fred le Corbeau. Coucou Fred. Coucou Fred le Corbeau. Zoz, arrête de couper la petite, dit Hobbit. Comment ça? Bon, allez, la petite elle va aller au dodo. Oui, la petite elle va aller au dodo. On n'arrête pas de le dire, Roman. Et il est tard, il est bientôt 10h. Le temps que tu t'endormes, je te connais, on n'est pas rendu. Allez, dis bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Voilà. Et Marie s'y dit, on respecte son community manager. C'est vrai. Bonne nuit, mon community et puis, manager. Rassure, Night, dis-lui que c'était une belle. Oui, dis-lui que c'était généreux les 5 euros. Je sais que c'est contre ton esprit capitaliste de leader mondial. C'est compliqué, mais essaye de faire cet effort, mon cœur. Tu dis merci, c'est généreux. Merci. Elle a du mal, ouais, mais c'est elle ça. Est convaincue. Mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit, en fait. Mais en fait, parce que je comprends, je vois très bien que j'ai mis au monde une petite capitaliste. Oui. Je le sens, je vois comment tu évolues, comment tu grandis. Je vois très bien que tu veux conquérir le monde et écraser l'humanité. Non. Bon. Non. Ah, bon. Mais dis-lui que c'est gentil, alors, qu'il a donné bah, son c'est point. Gentil. Mais t'y crois pas, on le voit dans le temps. On le sent, il te voit pas, mais elle... au ton de ta voix, on a compris oui. qu'il t'y croit pas. On dirait mon chef. Non. Ah, c'est pas gentil ce que... Merci. Oui. Ouais, on n'y croit pas, mais bon, c'est pas... Non, mais c'est vrai, merci. Let's pas aussi dit, tu vois l'avantage de Twitch vis-à-vis de YouTube, Zoz, c'est que tu sais... Banne le mot sans ton et toutes les orthographes de ton choix. Les personnes qui tenteraient de l'écrire à son message supprimé. Ah, c'est bon à savoir. Il y a Nathan qui me dit, Madame Tipeee, c'est quoi que t'aimes dans le jeu Solomon Game? Je n'en sais, mais je n'en rien. Elle joue pas, hein. Je ne suis pas du tout joueuse. Non, mais je t'avais bien aimé. Je tombe sur un petit joueur qui bosse avec moi cette année. Je ne sais pas pourquoi, j'accroche quand même. Il nous prête ses jeux. Ils sont sympas, mais je suis pas du tout joueuse. Non, mais vrai. Du tout, du tout. Comment te dire que ça me donne des boutons? Donc, Solomon Game, je ne sais pas. Ça veut pas dire. Si, pas c'est le... parce que ça raconte une histoire. Ouais, bah, non, c'est pas que t'aimais, c'est... tu jouais pour me faire plaisir quand même. Non, mais oui, je l'ai fait pour te faire plaisir.
mais je peux pas dire que ça a été la corvée, parce que l'histoire m'a... J'ai accroché avec l'histoire, voilà. Je crois qu'il y a rien de plus... Parce qu'il y a un petit côté, je sais, pour ceux qui connaissent pas Salomon Kane, en fait, c'est un jeu, jeu de plateau, jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que t'avances dans le jeu de plateau, il y a plein de situations qui vont se poser où tu vas combattre, tu vas enquêter, tu vas essayer de convaincre des personnages en discutant avec eux, il va y avoir des péripéties, le plateau va évoluer, etc. Donc c'est assez intéressant pour ça, en fait, parce que c'est plus un jeu d'aventure que véritablement, voilà. C'est un jeu narratif, quoi, jeu de plateau narratif. Il y a tout le monde qui te souhaite bonne nuit, mon cœur. Et Lumaris, il dit bot, robot automatique de gestion de chat. Voilà. Alex, il dit pour choper des likes, c'est mieux un chat qu'un enfant. Bah ouais, Alex, on le sait. Oui, je sais. Il devrait peindre des chats. Mais si, d'abord il y a le chat et en dessous il y a l'enfant. Donc papa, la semaine prochaine, peindra un chat et après il te peindra toi. Voilà. Voilà, je pense que ça sera mieux. J'ai pas envie d'être peint, moi. Oui, mais on s'en fiche, on te donne pas ton avis. Mais c'est ma vie. Bonne nuit au chef, dit Lumaris. Chef. Bonne nuit au community manager. Ah, le culte du dé. Salut les amis, coucou. Salut mon culte du dé. Mon culte du dé, dit comme ça. Salut mon petit culte du dé. Je trouve les figurines de Salomon Kane très belles, dit Slender. Oui, c'est vrai. Ça fait partie parmi les plus belles figurines de jeux de plateau. Elles ont toutes des socles texturés, thématiques. Et il y a beaucoup de personnages uniques. Donc c'est vrai que je dois reconnaître, ça m'arrache un peu de le dire en ce moment, vu que la boîte mythique fait un peu n'importe quoi. Enfin, fait n'importe quoi. Fait un peu ce qu'elle peut, j'imagine. Mais je pense qu'ils abusent quand même. Enfin, ils ont abusé. Mais ce jeu-là, en termes de matos, faut reconnaître que c'est le haut du panier. Quoi. Alors, il y a Knight qui dit « Je trouve qu'il y a des phases du jeu dans les tours qui tuent l'aspect narratif dans Salomon Kane. » Ouais, ben c'est en fait... Je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu où ça traîne un peu, ça casse un peu le côté récit, quoi. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu où tu dois... collecter un certain nombre de... Oh merde, j'ai débordé. Tu dois collecter un certain nombre de ressources, de soleil, de ceci, de cela. Et en fait, t'es plus dans le côté narratif, t'es dans de la mécanique pure pour collecter un certain nombre de ressources pour avancer dans le scénario. Et du coup, c'est vrai que tu sors un peu la narration, mais bon. Je trouve que c'est quand même pas trop non plus. Ça reste assez dosé, mais bon. Bon, après, voilà, je l'avais aimé, mais comme je vous dis, je suis pas du tout jeu, donc je n'ai aucune référence dans ce monde-là. Donc, voilà, c'est pas... Non, c'est de la merde, ce jeu. N'en tenez pas, hein, voilà. Non, il est bien. Ne vous dites pas, oh, je vais jouer, Madame Demi a bien aimé, quoi. Non, il est bien. Par contre, il y a une solide FAQ. Ils ont été obligés de renvoyer du matériel. Il y a des errata assez costauds. Si vous connaissez Mythique, c'était pas surprenant. Et puis au-delà de Mythique, le jeu, il y a tellement d'écriture que c'était prévisible qu'il y ait des kilos d'errata qui sortent. C'était prévisible. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, ils ont été beaux joueurs parce que ils ont renvoyé quoi. Ils ont renvoyé le matos. Ils ont voilà. C'est normal, il y a eu la mi-temps. Ah ouais, maintenant il retourne voir le match. Voilà, 80. Ah, 80, ça remonte. Oui, mais on en a perdu 4. On a atteint les 84 tout à l'heure. Ah bah très bien, bah dis donc. Coucou Fabien. Voilà. F. On y voit un peu plus clair sur le costume, vous voyez. Salut mon petit os du culte du dé. Salut. Alors maintenant, j'espère qu'il va bien le culte du dé. On a passé un bon séjour. J'ai filmé des trucs que je vais essayer de monter et de vous montrer. Il y a Obit qui dit jeu de plateau Cadvalon, je sais pas comment dire. Ouais, je connais pas. Confrontation excellente. Ah ouais, mais ça m'étonne. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux excellents que je connais pas, mais bon. Au dodo. On peut pas tout tester. Je viens d'y aller faire pipi. Je vous parle que de ceux que j'ai testés. Alors là, maintenant, je reviens avec mon bonne nuit, mon cœur d'amour. Ou avant. Attendez, avant ce qu'on va faire. Avant. Vous savez ce qu'on va faire. Avant, je vais prendre mon petit pinceau poil de cucu. D'accord. Voilà, avec la pointe là. Et je vais. Donc là, voilà, j'ai isolé un peu déjà mes teintes de peau
pour gagner en lisibilité. J'aurais pu faire les baskets aussi, je vais le faire. Enfin, les baskets, c'est pas les baskets, mais c'est les pompes. Donc, je vais aussi peindre en noir les pompes pour y voir plus clair. Donc, je peins en noir la chaussure. Alors, attendez, qu'est-ce que je cherchais là? Je pense que vous n'entendez plus la musique. Je vais en profiter pour la remettre, peut-être, non? Hein? Comme il n'y a plus même Tipeee, hein, que vous entendiez un peu la, la musique quand même, non? Hein? Hein? Vous entendez un peu la musique ou pas? Non. Alors, je remets un peu de la musique. Là. La musique est de retour. Là. C'est bien ou pas? C'est pas assez. Si vous me dites que c'est trop fort. Hein? Voilà. Il y a normalement un peu de musique en fond. Alors. Les baskets. Donc là, pareil, je peins les baskets. C'est pas pour les peindre, c'est uniquement pour gagner en lisibilité. D'accord ? Donc c'est toujours pareil. C'est bien à un moment donné, quand vous peignez vos figurines, de ne pas hésiter à faire les couches de base de ce qu'il y a autour pour voir où vous en êtes. Parce que des fois, votre vision, elle est parasitée. Vous avez l'impression que vous n'avez pas bien fait, que ça ne monte pas assez en lumière, que c'est fade, etc. Et en fait, des fois, les couleurs... Bonne nuit, mon cœur. J'ai dit le bonhomme. Ah, le bonhomme. Et des fois, c'est important de peindre le reste pour avoir une juste vision de votre équilibre des couleurs, de l'équilibre de vos lumières, de voir si tout ça fonctionne ensemble, si l'harmonie des couleurs fonctionne ensemble. Donc, c'est pas inintéressant avant de finir une zone, d'aller trop loin peut-être sur une zone, vous voyez, de d'en profiter pour dire attends, je vais au moins baser le reste pour voir où je vais et si la direction que je suis en train de prendre est la bonne et si ça fonctionne. Donc là, c'est exactement ce que je fais, et en plus ça me permet d'avoir du... Ah, je pense que vous avez une pub qui s'est lancée. Ah oui, du coup vous avez une pub qui s'est lancée, c'est ça qui est chiant. Oh là là, passé hein. Ah, j'ai passé hein, vous avez plus la pub là, non, je sais pas, j'espère que je vais pas. Et la musique fut... Ah oui, elles sont parties, on va être tranquille. Eh oui. Donc voilà. Alors là, j'ai basé les pompes. Vite fait, hein, c'est juste pour les sortir un peu. Là. Alors, ce qu'on va faire, maintenant que j'en suis là, j'espère que vous voyez quand même bien. Je vais un peu essayer de placer ma cam de manière que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà. Tac, ça, je vais reculer. Ça ici, parce que là, j'ai la main dans la palette. Pas l'idéal. Là, là, on est pas mal. Alors, on est pas mal. On va se faire la petite mise au point qui va bien. Mise au point qui va bien. Où es-tu? Tu es là. Contrôle caméra. Concentration. Là. Là, c'est pas mal. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller attraper quelques ombres qu'on va renforcer. Donc pour ça, on va aller prendre, on va revenir en arrière, on va prendre cette couleur-là, d'accord, qui était notre bleu marine foncé, et on va aller chercher quelques ombres fortes. Donc on va prendre quelques ombres dont on va marquer l'intensité, parce qu'évidemment, avec notre aéro, lui, il ne fait pas dans le détail. L'aéro, il, à partir du moment où, il envoie un spectre de projection de peinture et il emporte tout sur son passage. Nous, maintenant, on va venir un peu corriger à la mano les endroits où l'aéro a déposé du blanc et il n'aurait pas dû. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher, vous voyez ici, j'ai des plis. Et ces plis-là, je vais les mettre en valeur avec ma couleur parce que mon bleu foncé, là, il est plus intéressant que quelque chose de base qui paraît gris sombre. Hein. Les ombres paraissent plus profondes quand elles sont colorées, hein, plutôt que juste noir. Et du coup, je vais aller renforcer ça en allant chercher ces plis. Et en plus, le gros avantage, bah, c'est que l'aéro et que la sculpture bah, me les a préservés, ces plis. Donc, j'ai juste à faire du repassage. Et je vais aller de la partie... lumière en descendant dans l'ombre. Pourquoi? Parce que les pinceaux fonctionnent tous de la même manière. Les pigments se déposent le plus là où votre coup de pinceau finit son chemin. D'accord? Donc c'est là où vous retirez votre pinceau que les pigments se déposent le plus. Hein. Ils se déposent quand même en amont, hein, évidemment, au début de votre trait. Mais ils vont se stacker, hein, s'agglutiner le plus là où vous déposez votre pinceau. Donc je commence par exemple sur ce pli-là. Voilà.
Je vais aller chercher. Hop. Tac. Voilà, je fais ça. Et je vais faire ça. Normalement, il faut le faire pour tous les plis. Bon, ça risque d'être un peu long. Je vais essayer d'en faire quand même pas mal. Pour vous illustrer le truc. Et j'hésite pas à descendre dans l'ombre. Hein, puisque de toute façon, dans l'ombre, c'est cette couleur-là que je rejoins. Donc, je risque pas de faire de boulettes. Voilà. Là, je l'ai fait. Voilà. Je vais revenir le faire un peu ici. Voilà. Pareil, là. Ici. Donc, là, par exemple, ce petit pli-là. Là. Hop. Voilà. Ici, là. Ici. Hop. Là, ici. Hop. Et hop. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais venir maintenant aussi faire ces délimitations aux endroits où vous voyez ici, j'ai ma veste qui vient recouvrir mon pantalon. Mais pourtant, il s'agit de deux vêtements qui se superposent. Donc, il va falloir que je vienne ici, avec mon petit trait bleu, retrouver cette lisibilité-là. Ce découpage. Voilà. Ici. J'ai un peu débordé, là, mais c'est pas très grave. Hein, on va corriger ça après. Donc là, je fais mon lignage, je vais continuer à le faire. Je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que c'est pas simple hein, de se faufiler là, avec le... derrière la caméra avec mon pinceau. J'essaye un peu de jongler, mais ça marche. Voilà. Ici, c'est bon. J'ai un autre endroit, vous voyez, ici, là, où il va falloir que je rattrape voilà, le lignage. Voilà. Ici, on est pas mal. Je vais devoir le faire ici sur le revers du costume. Hop. Alors vous, il paraît peut-être déjà bien marqué hein, la caméra, mais moi je vois ici le nu et donc j'ai une vision plus précise hein, puisque je suis en vision directe que voilà, il y a des endroits ça mérite. Par exemple ici là, vous voyez le blanc est venu tout recouvrir et j'ai pu la délimitation entre les matériaux, les zones qui se recouvrent les unes les autres. Et ici c'est important de retrouver ça, d'accord. Donc je vais venir ici, je vais essayer d'être très prudent. Voilà, et de venir faire mon lignage. Voilà, j'essaye d'être le plus propre possible, c'est pas simple, mais c'est pas grave, au pire, je viendrai repasser avec du blanc. Alors, aux endroits où j'ai un peu débordé. Donc j'hésite pas à venir chercher de la peinture humide, hein. Je mets pas mal de flotte, parce que je veux que ma peinture glisse, vous voyez. Hop, je me fais une belle pointe avec de la peinture bien humide qui glisse bien. Voilà. Hop. Et ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop. Et je me sens très accompli professionnellement. Et en plus de ça, je gagne beaucoup mieux ma vie. Alors comment j'ai fait ça? J'ai écouté les conseils de ces deux garçons et ces deux garçons et ce voilà. Sont mes fils. Voilà. Donc là, j'ai fait mon lignage. Je vais devoir en faire un autre. Parce qu'ici, j'ai sa chemise qui vient par-dessus son costume. Donc là, pareil, je vais être obligé de dessiner ce contour. Voilà. Je déborde encore une fois, hein, vous voyez. Pas simple d'être très précis. Mais c'est pas grave, ça pourra se rattraper plus tard. Là, j'ai un petit peu la pointe qui est pas très clean, donc j'essaie de refaire ma pointe avec mes doigts. Je m'appelle Bénédicte et mes deux fils, Quentin et Edouard, ont déjà aidé plus de 1000 thérapeutes différents à avoir. Bon, vous voyez, là, c'est être méthodique, hein. Il n'y a pas vraiment d'artistique là qui s'exprime, c'est que de la méthode dans cette partie-là du travail, hein, on va dire en tout cas. Voilà. Voilà. Bon, voilà, donc on commence à voir ici maintenant notre costume qui est plus lisible. Ok. Je peux venir ici aussi si je veux aller au bout. J'en profite. Je vais aller faire le bord de mon costume là, ici. D'accord. Alors attendez, comment je pourrais faire pour être un peu plus éloigné et éviter de trop aller. Voilà. On va faire ça et je pense que je vais zoomer peut-être un peu. Voilà, je verrai. Là, ce sera mieux pour moi. Je vais vous régler la précision et je vais un peu zoomer. Voilà. Eh, ce sera mieux là. Enfin, moi, je serai mieux. C'est quoi que je voulais faire? Je sais plus. Si, ça. Donc, pareil. Lignage.
Je peux déborder sur la main, là, je m'en fous, puisque c'est une partie que j'ai pas traitée. Donc, allons-y gaiement. L'idéal, ce serait même d'avoir des gants plastiques, hein, vous voyez, quand vous voulez vraiment être soigneux et risquer de pas frotter la peinture. Le mieux, c'est de pas tenir votre figurine avec les mains directement, mais c'est pour ça que vous voyez souvent des peintres qui ont les mains gantées avec des gants caoutchouc. Moi, vous êtes sûr de pas enlever la peinture, parce que votre peau, elle a une certaine rugosité quand même, qui peut enlever un peu la peinture. Faut être prudent, quoi, si vous faites ça comme ça. Allez, je vais faire pareil ici. Bon, c'est pas la partie la plus fun, hein, mais elle est nécessaire. Allez, necessario. Voilà, je finis ce petit retour là, et après je viens lire vos commentaires, les copains, les copines. Là. Voilà, et après, vous voyez, je pourrais ici par exemple rattraper un peu quelques ombres, voilà, si je pense que ça manque. Ici. Je peux même travailler en, surtout en glacis, vous voyez, là je fais du glacis. Hop, vous voyez un peu là. Voilà, comme ça je prends pas de risque, et je viens ici récupérer quelques ombres. Voilà, je récupère celle-ci, donc là. On va récupérer une autre là. Hop, ouais, c'est des glacis, vous voyez, donc je prends pas de gros risques. Tac, et puis ça ajoute un peu de bleuté. Bon, c'est un truc que je dois faire après, ça, je le fais maintenant, mais en fait, ça va trop vite. Là, ah tiens, j'ai oublié encore un lining, pardon. Pardon les copains, j'ai oublié encore un lining. Mais avant de le faire, je vais lire un peu le chat quand même. Et après, je reviens faire le lining que j'ai oublié, qui est là, vous voyez, le petit revers sur les patins. Dame Tipeee, je t'attendrai ça là. Ben, Dame Tipeee continue à discuter, disons, sur le chatoon. Et je vais arrêter la musique parce qu'il n'y a que de la pub, non? J'ai l'impression. Hein. On va arrêter, hein, un peu là. C'est quoi cette pub là? Oh là là. Il y a de la pub toutes les 30 secondes là. Hein. Stop. C'est la vendeuse de tapis de la pub, lol. Soi-disant, elle gagne plus que Zoz. Zoz, tu as mis ton coach perso en musique, lol. Sérieux, une voix qui raconte un truc. Oh, bah, il n'y a plus la dame, c'est à la place de la musique. La pub dans la musique, je suppose. Ouais, il y a de la pub, en fait. Bon, c'est nul. Il se passe des trucs étranges ce soir. Voix off pub en plein live. Eh oui, j'ai hâte de couper quand je reviens. Mais ça y est, j'ai compris, les copains. Je suis désolé. Le FBI surveille son live. Bonsoir, Joanne. Bon, t'as échappé à la pub. On avait des pubs sur le live, dis donc. Allez, je continue mon petit lining, là. Ici. Voilà, donc on a fait beaucoup de travail à l'aéro. Vous avez vu, ça a été très vite, hein. C'est vrai que l'aéro, ça permet d'aller vite sur des grandes surfaces comme ça. C'est l'avantage. Le gros avantage. Voilà. Donc, je vais aller chercher ici. Hop. Et hop. Là, je vais aller chercher un peu ici. Voilà, donc là, c'est un poil fastidieux, mais nécessaire, hein, ce travail de... Tiens, vous voyez, je vous disais, avec le frottement, vous voyez, j'ai enlevé des petits picots de filet de peinture, assez discret, mais on voit. Voilà. Allez, ça c'est fait. Maintenant, je vais venir... Alors, je vais quand même le repasser un coup à certains endroits, vous voyez, parce que c'est un peu léger, là, la démarcation. Donc je vais la marquer à montage. Voilà. Ici, c'était nécessaire de la marquer davantage. Voilà. Et maintenant, je reviens. Voilà. Maintenant, avec mon ombre ici, je vais venir ici taper à des endroits. Hop. Voilà, j'apporte un peu. Je viens renforcer certaines ombres. Vous voyez, avec ce bleu-là. Voilà, là c'est fait. Là aussi. Donc là, c'est tout simplement que je vais, vous voyez, dans les parties ombrées, là, je viens tout simplement insister, rajouter davantage de pigments dans ces parties ombrées, là. Voilà. Dans le frais, avec un peu de flotte, là, je peux lisser un peu à certains endroits.
Et voilà. Hop. Je peux le faire aussi un peu ici, là, vous voyez. Tac, je rajoute du bleu. Hop. Et je viens après glisser là. Tac. Je vous le refais ici sur ce côté-là. Je vais rajouter du bleu ici. Hop. Voilà. Et après, je viens glisser. Avec de la flotte. Tac. Voilà. Rapide, efficace et pas cher. Là, on l'a fait. Là, on l'a fait. Là, je peux le faire un peu là. Là, vous voyez, ici, là, sur l'entrejambe. Ajouter un peu de bleu ici, là. Et ensuite, on vient glisser les bords. Tac, avec de la flotte. Voili, voilou. Maintenant, j'utilise mon blanc. Blanc pur. Et je vais aller à taper, chercher les points de lumière principaux, les plus gros points de lumière. Alors, première chose, je vais m'en servir aussi pour gagner en définition. Alors, regardez, là, par exemple, ça m'intéresse de gagner en définition ici, sur ce col. Et après, de venir redescendre là. Donc là, c'est tout simplement les arêtes que je vais aller chercher en lightning. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça donne de la définition. Donc c'est intéressant. Voilà, ça permet de bien marquer ce pli de costume là, vous voyez. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ici, on va venir faire ici ces bords de veste là. Vous allez voir qu'on va pas faire que ça. On va aller après aussi rattraper des éclaircissements sur la partie centrale et haute de ma figurine. Voilà. Petit revers de veste ici, là. Alors, ça paraît fort, mais en séchant, ça va s'estomper. Hein. Vous allez voir ça. Et puis, si je trouve que c'est un peu fort, je peux toujours revenir ici avec mon... Je vais faire un mix de vert et de blanc. Si je trouve que c'est un peu costaud, le blanc pur. Donc, qui était ma couleur la plus haute juste avant le blanc. Hein. Donc là, ouais, je me fais un petit mix des deux. Un petit peu de blanc, un petit peu de vert. Voilà, si je trouve que c'est un peu violent, je peux faire mon lining avec ça. Voilà, c'est un peu moins fort. Hop, voilà. Et maintenant, je vais aller attraper certains en partie centrale, surtout, vous voyez, je vais essayer d'attraper, de monter davantage en lumière. Donc, partie centrale, ça va être par exemple ici, là, sur le bidou. Ça va être intéressant. Donc, j'ai le bidou qui est là. Ça va être, à mon avis, assez intéressant d'essayer. Je fais un mélange de vert et de blanc. J'essaie de me faire une quantité suffisante voilà, de ce mélange-là. Une petite merdouille là, que j'écarte. Pouf. Pouf. Et on va essayer d'aller chercher ça. Voilà. Hop. Vous voyez, je monte un peu en lumière ici. Sur, essentiellement, et que d'ailleurs, je dirais plus qu'essentiellement, les parties, les plis, vous voyez, qui reviennent. Et je pousse, vous voyez, j'ai très peu de... c'est une espèce de glacis, hein, je fais glisser de la peinture, hein, vous voyez. C'est très... Hop. Une espèce de glacis orienté. Hop, ici. Après, je vais faire pareil sur mon genou ici. Mon point focal, il est là, là sur le genou. Eh bien, on va amener des pigments blancs, là, tout là. Hop. Voilà. Alors après, il va falloir que je baisse un peu, je pense, la luminosité. Parce que sinon, vous ne verrez pas grand-chose. Mais voilà, là, j'ai amené... du pigment blanc, mais je vais baisser l'expo parce que sinon avec le gain vous voyez rien. Tac, là vous voyez mieux peut-être. Pas facile à filmer le blanc en fait, hein. Peut-être fait une connerie moi de proposer ce sujet là, hein. Mais bon, on y est, hein. Maintenant, à faire là, ici c'est bon, ici c'est bon. Là on peut peut-être un peu sur les pointes là, monter davantage là.
Tac. Ouais, je fais des petits glacis. C'est très léger. Paf. Voilà. Sur les épaules, là. On va faire monter. Ici. Donc là, j'ai ce pli, là. Évidemment. J'ai ce pli ici qui revient. Voilà. Là, j'ai ce pli qui revient très très fort, évidemment. Donc là, on va pouvoir essayer de ramener un peu de lumière ici. Voilà, et là, je vais le dégrader pour le fondre un petit peu. Là, ici, pareil, je vais venir chercher ma lumière juste là, là. Et après, je vais venir le dégrader pour que ce soit doux au niveau de la transition. Pas si vous voyez grand chose, parce que je suis obligé de sous-exposer, mais bon, sinon le blanc ça crame. Ça crame et vous voyez plus rien. Voilà. On va chercher maintenant ici des plis hein, importants, voilà, qu'on va essayer de bien mettre en valeur. Voilà. Tac. Tac, 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 ici. Voilà. Et voilà. Là, j'ai fait des petits traits, mais après, en séchant, ça va s'estomper. Et puis surtout, je viens après avec des petits glacis. Le système de glacis hein, qui est très... Comme je suis sur du blanc, en fait, j'ai pas besoin de forcer. Hein. C'est vraiment du glacis très léger et ça couvre déjà énormément. Voilà, hop. Si j'augmente un peu l'expo, est-ce que vous verrez toujours? Ça, ma crainte. Et non, ça crame après. Après, ça crame. Pas facile à vous montrer, en fait, ce que je fais, là, je m'en rends compte. Et le gain, ça va être pareil. Luminosité, peut-être. Si je fais un peu en luminosité, voilà. Là, je gagne un peu en luminosité. Essayer de faire un réglage qui vous montre bien, mais c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Et ouais, puis c'est pas les vraies couleurs. Là. Le problème, c'est ça, c'est que vous voyez plus les couleurs. Ah, là, c'est plus proche déjà. Mais le blanc, il crame un peu quand même. Voilà. Bon, tant pis, hein. Écoutez, hein. Vous serez obligé de me faire confiance. Je refais ici mon petit assaut blanc, là. Paf, paf, voilà. Vous avez vu? Je vais toujours dans le même sens avec mon pinceau. Hein, je ramène toujours les pigments vers le point de lumière. Hop. Voilà. Toujours ramener des pigments sur le point de lumière. Et là, du coup, ben voilà, c'est nickel. Hein. Ça paraît très blanc. Pas de souci. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. J'ai mon genou qui porte bien. Et puis la jambe derrière, on la voit beaucoup moins. Mais c'est normal. Ben, je vous dirais, on a quasi fini, en fait. Hein. Ça, le problème, c'est que ça va vite. Très vite. Non, on va reprendre. Vous voyez quelques reflets, là, ici. Voilà. Là, ici, bam, bam. Ici, ici, et ici. Voilà. Je vais pouvoir après ici remonter aussi peut-être au blanc là. Hop, avec des filtres. Donc là, les filtres, j'ai avec la tranche du pinceau, vous voyez. C'est ça, hein, très léger. Et ça suffit déjà. Hein. Ça suffit déjà à monter en lumière, vous voyez. Déjà, rien qu'en faisant ça, je monte en lumière déjà. Pas grand chose parce qu'on est sur une couleur très claire, donc je vais faire ce même travail de l'autre côté. Donc je mets en valeur les plis. Hein. Je suis en train tout simplement de renforcer les plis du costume. Voilà, ici, ici,
c'est bien de monter quand même bien au blanc là. Après je fonds les bords. Donc là je reviens tout simplement sur les bords de ma tâche avec, j'ai pratiquement pas de peinture, hein, j'ai que de la flotte, mais c'est juste pour flouter les bords. Et pas de traces de pinceau qui se verront de suite, puisque à l'aéro évidemment j'ai quelque chose de très diffus. Voilà, donc là ça marche bien. Là c'est bon, là c'est bon. Ben c'est fait en fait, hein. C'est fait. On va pouvoir travailler la peau, les copains, parce que là on peut pas aller beaucoup plus loin. Si ce qu'on peut faire, peut-être pas inintéressant. Alors déjà oui, là aussi reprendre les bordures c'est pas mal pour que ce soit bien lisible. On va peut-être ajouter un peu de la profondeur, de la couleur dans les ombres. Ça peut être pas mal. Allez, on va tenter ça. On va tenter de rajouter la couleur dans les ombres. Toujours dans les tons de bleu, mais plus saturé. Voilà. Tac. Ça, c'est pas mal. Les boutons, ils sont noirs, je pense, hein, de sa veste. Hein. On va dire ça. Donc, je vais me faire une petite base noire pour mes boutons de la veste. Pareil, hein, c'est pour bien isoler, que ce soit bien lisible. Hop. Donc, j'y vais avec du jus, hein, très léger. Voilà. Ici. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir une pointe fine là, quand on fait ce genre de truc. Encore, j'ai pas un pinceau tip top pour faire ça, mais bon, j'ai une pointe fine, ça marche quand même. Voilà. Alors attendez, si je mettais plus dans les... Ah, mais vous voyez mieux si je fais ça. Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, vous voyez mieux. Moi, je vois plus rien, mais vous, vous voyez mieux. C'est déjà plus parlant là, hein, non? Ah ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux, c'est mieux. Au niveau des couleurs. Allez, je vais revenir avec mes filtres colorés. Ils sont importants, ces filtres colorés, vous allez voir pourquoi. C'est ce qui ajoute, je fais renverser mon verre d'eau. Donc là, je suis sur ça. Ouais, ça se rétracte beaucoup. Donc là, c'est du glacis. Et ça, ça va me permettre d'ajouter ici de la couleur et de la vivacité, parce qu'ici, vous voyez, c'est beaucoup plus vif que là. Là, c'est un peu plat. Et parce qu'il me manque ces filtres. Mais regardez, si je les rajoute, vous allez dessus de voir que ça va prendre plus d'allure. Déjà beaucoup mieux. Donc on va continuer avec ces filtres là. Hop. Ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait déjà des reflets beaucoup plus intéressants. Je vais faire ici. Voilà. Après, j'hésite pas à estomper, hein, si je vois que c'est un peu trop. Voilà. Je floute. Ouais, là, vous voyez mieux. Hein. Je pense que là, c'est plus juste quand même déjà avec ce qu'on a, ce que j'ai sous les yeux. Là, on va reprendre certains. Hop, petit trait ici. Tac. 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 Voilà. Puis ici, on va voir quelque chose de plus juste. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, on est bueno. Là, je vais pas trop revenir ici parce que c'est le bas. Donc, je préfère garder plus de blanc en haut. Vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus blanc en haut. Et je ne l'ai pas sur le bas. Parce que vous voyez bien comment ça marche. C'est tellement blanc d'ailleurs en haut que ça explose un peu la rétine. Donc, il faut que je règle le gain. Voilà. Puissiez mieux voir quand même. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, voilà. Là, on a quelque chose qui fonctionne déjà beaucoup mieux pour moi. Là, c'est bon. Je vais revenir avec mon blanc ici maintenant. Donc, pareil, là, je viens avec du blanc pur. Mais j'y vais pas comme un bourrin. J'y vais par glacis. Donc, on va d'abord faire cette bordure-là. Tac. Là. Voilà. Ici, je vais taper du blanc. Ici aussi. J'hésite pas après à revenir sur les bords pour le lisser, ce blanc. Donc voilà, je vais venir ici, ici. Je fais des petits
des petits frottements pour lisser le blanc. Voilà, le but c'est d'amener du blanc ici sur ses épaules, là, vous voyez, et de l'amener jusque là, jusque sur les plis que j'ai ici. Allez, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, je me concentre sur les plis. Là, là. Voilà. Après ici, je reviens avec un blanc un peu plus étouffé pour faire une espèce de montée en lumière là. Voilà, parce que comme c'est un cône, effectivement, hein, alors je suis pas obligé d'être trop scolaire non plus, hein, je peux faire des, un peu de la texture pour que ce soit moins violent comme cône. C'est moins violent. Voilà, là ça marche pas mal. Je peux revenir assez fort avec mon blanc, hein, puisque là il vient bien s'exposer au devant de la lumière. Voilà. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Là on est bon, je pense que je peux venir ici amener du blanc, descendre encore un peu le blanc là ici. Donc là je vais ici aussi amener du blanc. Ah bah vas-y, claque les portes. C'est un peu longué quand même. Ah ouais. Voilà, j'ai ramené du blanc bien sur les épaules là. Alors, il y a Axéo et Max qui vient de dire ta lampe touche le micro, ça nous fait des sons désagréables. Ah, pardon. Ah oui, je viens de le voir. Je viens de le voir. Hop, on va faire comme ça. Et alors, n'hésitez pas à reposer vos questions et à redonner vos infos, là, parce qu'il y a eu pas mal de choses depuis que je suis partie. Je vais essayer de passer en revue, peut-être, vu que je vois que ça s'est calme. On a perdu du monde, là. Ah bah oui, je sais pas. Combien ? 10h30. Eh oui, mais les gens, ils s'ennuient de toi. Mmh, je leur suffis plus. Oh, il y a plus de moustiques. Alors, il y a Fabien F qui avait dit « Bon, il en est où le projet de faire une fois la semaine un direct pour avoir des retours sur nos figues ?» Mais j'y pense. Voilà, c'est tout. Non, on va essayer de le faire. Après, il faut s'organiser, mais j'ai plein de trucs là en ce moment. Ouais. Mais oui, oui. Je sais que ça vous tient à cœur et on va le faire. Je le renote sur mon petit calepin The Studio. Alors. Voilà. Là, on est pas mal. Ah, j'ai une petite auréole, là, vous voyez, sur l'épaule, là. Ça va se soigner, ça, ne vous inquiétez pas. Hop. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y avait des... Comment on appelle ça, là, les traces de moulure, là, les... Oui. Ouais, sûrement, parce que je les ai pas enlevés, je vais être honnête. Bah oui, bah. Bah oui, mais quand même. Oh, c'est de la figurine de jeu, mon cœur. Et alors ? Bah oui, les petits plis. Je sais plus sur Faut quoi. Pas les oublier, ceux-là. Sur quel calepin mettre, alors du coup, parce que tu vois, l'autre fois, j'avais mis sur lui, je vois que t'as écrit par là. Voilà. Franchement, je comprends plus rien du coup. Comment ça, tu comprends plus rien? Bah, en fait, t'as récupéré des infos que j'avais notées sur un calepin, mais entre temps, t'as retrouvé l'ancien, donc je sais plus où je mets quoi. Aïe, 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 la vie de Madame Tipeee, je vous jure. Aïe. J'ai pas attendu assez que ça sèche, c'est pour ça que ça me fait des petites auréoles. C'est léger, mais bon, pas. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Un peu ombré à certains endroits. Vous voyez, bon, là, je reviens, j'ai sur ma palette, j'ai toutes mes couleurs, et je reviens apporter un peu d'équilibre. Là, vous voyez, par exemple, ici, c'est bien de... Voilà, marquer quand même ce pli, là. Parce que la jambe me passe devant. Voilà, c'est bien de le marquer. Bien de le marquer. Ici aussi, c'est bien. Et ici aussi, et ici aussi. Voilà. J'ai bien marqué ces plis-là. Bon, ça, voilà. Je vais recopier une prochaine fois, sinon on ne sortira pas. Ici. Alors, ici aussi. Donc... Voilà, je reviens marquer de manière un peu plus... costaud de certains de mes plis. Donc là, il faut être précis. Hein. Faut être précis parce que sinon... Vous n'avez plus qu'à revenir sur ce que vous avez fait. Ça, c'est chiant. Ok, donc ça c'est à noter.
Alors malheureusement, ah oui voilà, Domi 64, il a fini plus loin parce que question bête, à quoi cela sert de faire un et se couper? Azimutal, si c'est pour le recouvrir après. À quoi ça sert de faire un zénithal, je pense. Oui, je pense. Ben, en fait, le zénithal, si, c'est pour le recouvrir après. Ben, et en fait, il me sert de guide. Regarde, tu vois, là, mon zénithal que j'ai fait au début, je l'ai gardé. Hein. C'est juste que je suis venu l'enrichir avec des teintes, mais je l'ai gardé. Ça m'a servi de guide. Je sais pas si tu... Ça me sert de guide et ça me permet après de, effectivement de guider mon travail. Là, je suis en train d'ajouter les tonalités un peu bleues, tu vois. Je renforce un peu voilà, du bleu sur le côté, là, ici, tu vois, pour que ce soit un peu plus riche à l'œil, parce que sinon, c'est flat, quoi. C'est blanc, super. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça, là? Non, c'est rien, ça. Je vais l'enlever. D'accord. Parce que j'ai d'autres trucs que j'ai vu passer. Zos, tu te rappelles de moi la photo de mon Joker, Fabien Fidi, que j'ai envoyé par mail et je vous ai parlé sur Messenger Batfig. Est-ce que c'est pas... Oh non. Ça, j'ai trop... Ouais. C'était quand? Et puis en plus, comme j'en reçois beaucoup, malheureusement, là, je t'avouerai, ça me revient pas. Désolé. Désolé. Donc après, il y a eu des trucs sur, il y a eu des trucs bizarres. La musique, c'est une dame qui raconte sa vie. Oui, parce qu'il y avait la pub. Bah ouais, apparemment, il y a de la pub et. J'ai enlevé la musique. Voilà, t'as enlevé carrément. Ouais. Parce que. Donc on a plus ce souci là. Parce qu'apparemment, c'est qui disait ça? Attends, il y a quelqu'un qui disait que. YouTube l'avait annoncé. Ah voilà, c'est Edmimi qui disait que YouTube avait annoncé que les pubs seront plus difficiles à enlever pour que l'on prenne l'option premium. Ouais, non, c'est pas ça. Là, c'est parce que j'ai mis une musique de fond, c'était du blues no copyright, et en fait, cette vidéo-là, il y avait des pubs au milieu. Donc c'est pour ça que vous avez eu quelques pubs. Il faudrait que j'enregistre cette playlist, en fait, sans pub, et que je vous la mette en fond pendant que je peins. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Qui ont dit le FBI surveille son live. Zeus, la CCI hack ton stream, dit Xeowax. Letfaos, perso, pour peindre, je mets toujours des gants, car si je manipule sans gants, je défonce la peinture systématiquement. C'est vrai, bah, c'est ce qui est en train un peu de se passer, tu vois, là, j'ai enlevé des petites pites de peinture, bon, bah tant pis, hein. Mais l'essentiel, c'était pour vous montrer. Mais c'est vrai que c'est fragile, parce qu'en plus, c'est les couches à l'aéro, elles sont légères, donc c'est fragile. Il y a Xeowax aussi qui disait Adblock. Plus de pub. Ah oui, après, si vous pouvez utiliser Adblock aussi, c'est vrai. Édite plus aussi. Ouais, je pense que c'est pour couper les pubs de. Oh, de mais YouTube. Oui, mais moi, je m'en étais aperçu tout à l'heure, mais j'ai cru que j'avais un souci vu que déjà, j'arrivais pas à accéder au chat. En fait, moi aussi, j'ai des pubs sans arrêt. Hein. Pendant le live? Bah oui. Pendant mon live, t'as une pub? Oui, on a des pubs pendant ton live, c'est ce que je te disais quand les gens m'ont dit. Ah, mais c'est chiant ça. Mais oui. Comment je fais pour enlever ça? Ah, c'est pendant le live. Je viens de te dire que je sais plus qui avait dit, je l'ai recité, et comme tout le monde échange, j'ai reperdu le nom. Mais quelqu'un a dit que YouTube l'avait annoncé, voilà, Edmimi, les tubes seront plus difficiles à enlever pour que l'on prenne l'option premium. Oh, merde. Je viens de te le dire. Mmh. Oh, vous avez les pubs pendant le live? Ah, bah ça, faut Mickey du 24, il dit il s'en sort mieux avec le blanc que le vert. Ouais, ça marche mieux, le blanc. Bon. On le sent en confiance dans son élément. Lumaris, moins de lumière directe, peut-être pour moins cramer le blanc. Ouais, je vais essayer. Mais pas facile. Du 24, faut mettre une feuille de papier calque sur la lampe. Mais là, le blanc, il sort pas trop cramé, là, ça va. C'est juste que je suis monté très blanc, mais vous voyez, quand je tourne, on voit mieux, là. C'est plus équilibré. J'ai fait, vous voyez, alors là, j'utilise cette couleur-là. Elle est très intéressante. C'est notamment ce qu'ils utilisent, enfin, je ne sais pas si c'est cette couleur-là précisément, mais je ne m'étonnerais pas, ou en tout cas très proche, quand ils peignent les figurines de Marvel. Je sais pas si vous avez vu les figurines de Marvel, les versions chibi, là, celles qui sont un peu en mode chibi, ils font des éclairages, des lumières, un peu des rim light, là, comme s'il y avait un éclairage qui venait derrière pour souligner les pièces, et
C'est ombre bleutée, en fait. C'est un éclairage par l'arrière bleuté. Qui fonctionne très bien quand on prend la photo sous un angle, mais c'est vrai que quand on tourne la figurine, bon, ça fonctionne un peu moins bien, en général. Bon, bah, j'utilise ça, mais moi, je le fais pas en trait marqué, je le fais en filtre, mais vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. Ça comprend... L'idée, c'est de retrouver un peu cet effet-là, d'avoir des ombres colorées, bleues, mais pas selon une ligne trop marquée, hein, que ça reste quand même... Le mari dit « Bon, allez au dodo, je finirai le ripé plus tard. Si je te croise à l'Octogone, Zoff, dans une allée, je te ferai un petit coucou de fan. Sait-on jamais, je ne sais pas quand j'y vais. » Ah ben écoute, avec grand plaisir. Aussi, ouais. Moi, voilà, je vais y être samedi, dimanche. Tout. Et bonne fin de live à tous. Toujours au top la famille et le chat, il a dit. C'est gentil. Merci beaucoup. Hobbit, il dit « Tes fondus sont impressionnants. » Ah, merci beaucoup. Mais tu sais, c'est parce que c'est de la flotte, hein. Je peins avec beaucoup de flotte. Alors après, j'en mets pas trop non plus pour pas que ça fasse... c'est une question de dosage de flotte. C'est-à-dire que si vous en mettez trop, ça vire au lavis. Et c'est pas ce qu'il faut. Il faut que ça reste un glacis. Surtout qu'on est sur une surface lisse. Donc c'est vraiment une affaire de dosage. Et après, c'est de la sensation, quoi. C'est vrai que c'est un peu de la sensation. C'est à force de faire que vous commencez à être un peu à l'aise avec ça. Qui dit en fait les soirs de live Dame Tipeee fait le même boulot que dans la journée. Ah bon, pourquoi vous êtes MDPH Maison du Handicap? J'ai pas remarqué que vous étiez à ce point là, mais Slender Théo, quoi, Zeus ne pratique pas les barbages, hérésie. Ouais, sur des figurines comme ça il faudrait, enfin sur les figurines de, pas sur les figurines de jeu, je le fais assez peu, quoi. Je reconnais. Pour les fondus, Hobbit y rebondit en disant « Je galère toujours pour les faire, jamais content des transitions. » Voilà. Là, on a un peu le fondu. Là, c'est fait. Là, je vais en rajouter un peu. Lapin blanc. Tiens, c'est rigolo. Lapin blanc. Salut, lapin blanc. Salut, White Rabbit. C'est le lapin blanc de Matrix. Ben, écoute, il s'appelle lapin blanc en français, hein, mais... Ah ouais. Bah, c'est peut-être comme dans Matrix. Je sais pas, il y a peut-être Alice. Follow the White Rabbit. Salut, abonné presque régulier depuis quelques semaines. Il était temps de poster un peu. Merci pour les tutos astuces, c'est très utile. Ah, bah, c'est merci cool. Merci beaucoup, content que écoute, ça si tu parles peu, mais que c'est pour dire des trucs comme ça, oui. Eh ben on t'aime bien, lapin blanc. Voilà, hein, mon petit lapinou. Voilà, puisque t'arrives, toi, t'as tout, quoi. SR miniature, dis-moi. Alors attends, j'ai pas la fin du. Ah oh, bah pourquoi ça, j'ai plus le chat là. Les petits, mon cœur. Les petits. Les petits, le chat. Les petits. Ah bah attends, faut que je le mette. Attends, restaurer le chat. Mais je travaille un peu trop en ce moment, je sens que ça dérape. Ah, hein, il est plus là. Et puis là. Les petits, le chat. Les petits, le chat. Bah je vois pas où je sais que je peux le récupérer, mon cœur. Je suis embêté pour toi. Ah bah mince. Bon bah, je continue sur mon portable, mais en fait j'ai des trucs qui me gênent en bas de l'écran, donc j'arrive pas à lire la fin de la phrase. Ah. Faut que j'attende que ça remonte. Ah bah non, bah lis sur ton truc là, parce que... Comment ça se fait qu'il s'est coupé? Il s'est coupé le chat, dis donc. Dis donc, le chat il s'est coupé. Et où, donc il est le chat. Je suis connecté encore là. Oui. Oui, ça bouge. Oui, oui. J'ai eu peur de pas être connecté, dis donc. Quelqu'un peut poster un truc pour voir si sur le chat il marche? J'aurais pas coupé le chat quand même. Non, non, parce que je vois le... Je viens de te lire déjà les derniers messages, donc il n'y a pas de raison. Ah, ça y est, ça revient, dis donc. Ouais, il y a des trucs bizarres, hein, quand même, ce soir. Voilà. Ça va n'arriver. Là. Tout à fait, référence... Tu vois, la référence à Matrix. Ah, tu m'as trompé, dis donc. Attends, j'y... Encore un coup de la 6. Dis-moi, tu fais que de la figue de jeu, demande à ses miniatures. Non. Des fois, je fais des. Alors, je fais beaucoup de figurines de jeu parce qu'on me commande des figurines de jeu quand on passe commande. Mais après, je peux réaliser des figues. J'en ai le niveau, n'est-ce pas? Des figues d'expo, des figues un peu plus, tu vois, level un peu plus poussé, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps, c'est rare. C'est rare. En général, on me commande pour de la figurine de jeu, mais c'est normal. Parce que question budget, quand tu commences à attaquer les figurines d'expo, ça coûte. Mmh. Mais oui, je le fais volontiers. De toute façon, j'envoie des photos pour que le client me dise s'il est satisfait ou pas. Hein. Donc. Tom, il dit pas de pub de mon côté, mais j'ai des adblock. Ouais, t'as adblock, ouais. Ouais, je pense qu'après, c'est vrai que c'est bien adblock pour ça. Hein. Ça permet d'éviter ces pubs à la con. Hein.
Il y a Alex, Alex Poteau qui dit c'est impressionnant l'avancée du perso. Voilà, donc là, le costume, il est bien. On a nos reflets bleutés, on a notre blanc, notre machin. On peut aller taper aller quelques ombres un petit peu plus, voilà, si on veut ajouter un peu de caractère à certaines petites ombres, voilà. Mais après, sur pareil, c'est quel temps vous voulez consacrer à ça, quoi. Voilà. Tac, tac. On n'a pas notre fille aujourd'hui. Notre quasiment unique. Ben, elle avait prévenu. Elle est prévenue. Elle est au Japon, je crois. Elle bosse. Ouais. Solène. Ouais. Il me semble hein, qu'elle est. En tout cas, au Japon ou à l'étranger, ou j'aurais peut-être pas dire. Peut-être qu'elle voulait pas qu'on le sache. Merde. Je balance la vie de tout le monde. Je m'en rappelle pas qu'elle lui dit. Ouais, peut-être qu'elle l'a pas dit. Qu'elle me l'a dit juste en MP. Moi, je le dis là. Ben oui, peut-être. Hein. Je déconne ça. Un peu déconné, monsieur Zozo. Voilà. Allez, je renforce certains plis. Je renote ce que je t'avais noté la semaine dernière. Je renforce certains plis et après, on va aller attaquer un peu de visage, peut-être, non? Vous en pensez quoi? Pas de pub non plus pour moi et j'ai pas de bloc, dit Hobbit. Ah. Tatawin, coucou Tatawin, je t'ai vu passer quand je couchais la petite. Et il nous dit bonne nuit à tous, à samedi. À samedi à l'Octogone Zoz. À samedi. Donc tout à fait référence à Matrix, ça tu l'as dit. Encore un coup de la CCI. Donc, oui, t'es connecté. Galbisson, allez, allez dodo. Zozo. Allez zozo, dodo. Excellent boulot, pas facile. Le blanc, ça a l'air plus simple à l'aéro. Oui, à l'aéro, bah en fait, tu gagnes du temps, quoi. Tu fais des trucs, voilà. En fait, le blanc, vous allez le chercher dans les ombres. Hein. C'est-à-dire que le blanc, c'est blanc, et après, c'est dans les ombres que vous retrouvez votre définition, quoi. Parce que sinon, le blanc, c'est blanc, quoi. Si, la solution. Blanc, c'est blanc. Donc voilà, j'essaierai de mettre des photos, mais voilà, on l'a fait, notre costume, finalement. Hein. Là, ce que je pourrais faire, c'est pour gagner en définition, là, regardez. On va pas s'emmerder sans 7 ans. On va prendre un Agraxur Shade, parce que j'y vois pas très clair sur sa peau, là. Il y a plein de reflets, de machin. Donc avec un petit Agrax là, on va aller chercher. Je crois que l'Agrax il est peut-être un peu violent. Je sais pas. Peut-être plutôt le Séraphine, Sépia. Donc là j'utilise ça. C'est un shade. Comme la peau est bien texturée, ça va me permettre d'aller chercher tous les trous là. Toutes les petites. Vous voyez, tout ça là. Bam. Ça, je vais aller chercher. Après, ça m'a l'air un peu léger le Séraphine, hein, peut-être. Ouais, ça m'a l'air un peu léger. En plus, j'ai débordé là comme un cochon. Dans mon costume, c'est ça le problème quand vous faites un blanc propre. Après, c'est que quand vous débordez dessus, c'est la même merde. Alors, non. À mon avis, c'est un film trop léger. On va y aller avec celui-là. Le Agrax Earthshade. Un peu plus violent. On va le diluer quand même pour pas que ce soit trop violent non plus. Voilà, ça rappelle ce que j'avais noté ailleurs. Là, je te jure, assistante, voilà. Script, enfin bref. Et c'est bien parce que ça va chercher les micro-plis de la peau de l'éléphant, vous voyez. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, bon, c'est un petit coup de Jarnac, hein, c'est pour gagner du temps, hein, je reconnais que voilà. Pour éviter de le faire moi, quoi. Des jus, ils sont payés pour ça. Alors faites votre job, les shades, là. Hein. À un moment donné, c'est bon, quoi. Il y a Hank qui demande si la pirate est vendue. Non. Au fait. La pirate n'est pas vendue. Ouais, j'ai mis trop cher. Puis je suis pas assez connu, je pense, en tant que peintre high level. Donc les gens, ils croient que je fais du caca. Ils veulent pas l'acheter. Bah, trop cher. Il y a pourtant... C'était un peintre qui avait dit que... Ouais, qui trouvait... Parce qu'il l'a vu, lui, de visu. Il sait très bien que c'est un... La qualité. C'est un coût exceptionnel. Mais non, j'ai pas vendu. Mais après, je l'ai pas... Que je la poste peut-être sur eBay, je sais pas. Sur eBay, ça marcherait peut-être mieux. J'ai pas fait sur eBay encore. Mais tu sais quoi, moi, il faut que je renouvelle le chat parce que du coup, c'est pour ça que j'étais bloqué. Slender Théo, Terre de Sienne est une teinte tout aussi utile de chez Ami Painter. Ouais, aussi pour faire les shades, tu veux dire? C'est ça? Ouais, après, moi, Army Painter. Ouais, hein. Army Painter, c'est une marque de figurines, de peinture. Moi, j'utilise celui-là parce que j'ai celui-là, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui font bien le job. Hein.
Ouais, bon, ça m'a permis de gagner en lisibilité, voilà. Ça a été chercher un peu des creux. Voilà, ici. La vitesse du chat est ultra lente, non, 22h51 ce message. Non, puisque non. Tu vois, je l'ai maintenant. C'est juste que moi, je suis en décalé, Alex. T'as pas l'habitude, poteau. Mais je suis vachement décalé parce que entre le fait que je m'absente des fois pour m'occuper de Roman, pour la coucher. Ouais, t'es à la bourre, quoi. Bah non, mais c'est vrai, je remonte en fait. Je pourrais ne pas remonter. Alors des fois, quand je suis pas dispo, je leur dis de reposer les questions plus tard. Mais quand je peux, quand je vois que le chat, après, il n'y a pas trop de messages, je me permets de remonter un petit peu le fil d'actu pour balancer un peu ce qui a été dit. Donc voilà, mais non, je... Là, tu vois, j'ai le message de Hank sur Etsy. Je pense que ça vient d'être fait, quoi. Donc, non, je pense que ça va, de ce côté-là. Donc, Hank, il dit, Etsy, j'aime bien, je trouve des trucs japonais pour ma fille, un tas de choses. Ouais, Etsy, apparemment, c'est pas mal, ouais. Donc, je note Etsy, tiens, si tu veux, sur le calepin, parce que comme ça, je... Et je te mets quoi, à côté? Vente, rien. Figurine. Ouais. Comme ça, pour vendre, effectivement, je pourrais aller sur Etsy. C'est pas bête. C'est pas bête. Je vais peut-être vendre le Hulk aussi, je pense. Que je vais vendre le Hulk et la pirate que je vais mettre sur Etsy. Elle est belle, la pirate, moi, j'aime bien. C'est pas que j'aime pas Hulk, mais je trouve que c'est... Il y a pas mal de détails, j'aime bien. Oh là là, je commence à avoir un coup de pompe. Je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, mon zoz. Oui, bah de toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Hein. T'es pas mal ce soir, ce que t'as fait. Voilà. C'est bien. C'est mieux que le verre. C'est mieux que le verre. Hein. J'ai été beaucoup plus vite, hein, vous avez vu. Oh, j'ai débordé là. Plus efficace. Ah, est-ce que j'ai fait la belle boulette, vous voyez? Sur le genou. Ah, oh là, oui, là, dis donc. Là. Ah oui, c'est une belle boulette. Bah, bien, hein. Ouais, c'est parce que je tourne avec mes doigts boudinés. Et ça fait tout sale. Pas grave, on va essayer de rattraper ça. Bon, ben là, j'ai trop de la flotte en peinture. Donc, il faut que je le rattrape après. Mais je le rattraperai après. You. Voilà, je renforce un peu le blanc. Hein. Voilà. Ça. Pas mal si je reviens mettre du blanc ici quand le costume revient. Allez, sèche un peu. Alors, ce que je peux faire aussi pour gagner un peu en lisibilité, c'est, je sais qu'il y a du orange sur sa chemise est orange, ben je vais baser sa chemise en orange, comme ça ce sera fait et j'aurai pratiquement toutes les couleurs. Hein. Non, j'aurai même toutes les couleurs. Il y a une petite chemise orange. Là, il est bien sec, mon. J'utilise un pinceau moche pour aller chercher l'orange. Ça, c'est tout trempé. Hop. Tu lis plus, mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je suis à jour. Ah bon, plus personne. Ah, ça y est, Mika qui... Non, ne pas essayer, fais-le ou ne le fais pas. N'essaie pas. Fais-le ou ne le fais pas. Yoda. Allez, comme il est orange. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait mes peintures que j'ai fait. Ah oui, je sais. Je t'ai dit, faut que je rachète là. Je vais essayer de me... J'aimerais bien voir si Aka il serait d'accord pour m'envoyer des peintures si je les peins en live avec. Parce que t'aimes bien ce marque? Bah ouais, j'ai testé chez un collègue, là, chez Lionel. Et je trouve qu'elle se comporte très bien. Ah, elles ont un bon comportement. Ouais, elles sont polies, tu vois. Ouais, sont... elles ne disent pas des grossièretés. Ouais, très très bien. Ouais. Allez, avec l'orange. Hobbit, rattrapage d'une boulette en direct, vraiment bien cette chaîne. Ben oui, on va le faire. J'attends que ça sèche un peu. On va... Attends, je le mets où il faut là, l'orange. Oui, ça. J'avais peur d'avoir pas un truc qu'il faut pas. Hank dit, il y a de la figue sur Etsy à peindre, mais il y en a. Donc, tu vois, c'est pas forcément adapté non plus, faudra que tu vois. Ouais, bah ouais. Parce que moi, le but serait de vendre ma figurine peinte, quoi. Mais bon, je vais tester. Hein. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand t'as gagné des concours. Faudrait que je fasse des concours, en fait. Tu commences, quand, si tu gagnes des concours, alors faut les gagner après, c'est sûr. Hein. Bah ouais. Ou en tout cas, faire des médailles et tout ça.
Ben, ton nom il circule un peu sur voilà, parce que moi je suis plus connu en tant que peintre de jeu, quoi. Je pense. Et il faudrait que j'essaye de me faire plus connaître en tant que peintre expo. Alors je pense qu'il parlait de ça, d'un site avec qui je bosse, Anthony, Festival des Jeux à Vichy. Ah ouais, je connais pas. Mais alors le problème c'est que c'est les mêmes dates, mon cœur. Ah oui, bah non, alors c'est pas jouable. Et ouais, parce que tu vois, vendredi 22 marquera le début d'une compétition intense au Festival des Jeux de Vichy, etc. Donc malheureusement... Et ouais, et puis l'Octogone c'est quand même the place to be, je pense, à l'heure actuelle encore. Je connais pas le festival de Vichy, hein, ça doit être très bien aussi, mais festival je pense des que jeux. Je pense que celui de l'Octogone, il a un peu plus de. Oh, ça a l'air d'être un bon truc. Hein. Voilà, chemise orange, pas mal, hein, avec sa petite chemise orange là. Il ressemble bien à l'Artworks. Bon, après, il y a la gueule, hein, qui reste encore à faire. Il faut le temps que ça sèche. Les pompes, la base est correcte. Hein, ce sera monté en lumière. Après, on peut toujours avec le blanc encore rattraper les trucs, là, essayer de monter en lumière les trucs, mais là, pas assez à l'aise là avec la caméra pour pouvoir faire du bon travail là-dessus. Donc, à sans caméra, c'est sûr que vous feriez plus à l'aise que moi, beaucoup plus vite. Encore. Mais là, c'est pas mal si je peux attraper, ouais, ce truc-là. Mais bon. Facile avec la caméra, faut que je trouve j'essaye la solution auquel j'avais pensé là de déporter la caméra, parce que j'ai une caméra d'un appareil photo que j'utilise pas, ça pourrait peut-être bien marcher. Argue, le pot de peinture est merdé. Tom, ah c'est top, mais je trouve la Scale 75 AK, c'est top, mais je trouve la Scale 75 en général plus saturé. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, okay. Les scales, c'est vrai qu'elles ont une belle saturation. Il a la classe, ce gros éléphant qui pue. Oui, bien sapé, hein. Night Stalker, je file. Merci à la Zeus Family. Salut tout le monde et à jeudi prochain. Toujours un plaisir. Allez. Merci Night. Merci pour ton tip. Je peux mettre un petit. Oui, qui était très généreux. Bon, ma petite, t'as compris, c'est une capitaliste. Vire ça, mon corps, ce que je vais faire sécher. Ah bah non, pas sur mon coussin. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais ça va pas, non, faire sécher sur mon beau coussin. Il est malade. Il est malade. Il ne devra plus nous faire des chips, Night. Alors bravo, vu qu'on en a reçu, c'est terminé. Bonne soirée, Fermination. Mais ils entendent pas, tu sais bien, c'est pas la peine de faire des blagues. Allez, c'est un peu ça doit être d'ailleurs très frustrant de ne pas entendre le bruit du sèche-cheveux alors que tu leur dis que tu utilises. Allez, je vais faire un petit coup de jarnac. Je vais faire du brossage à sec, mon cœur, ça reste entre nous, tu le dis pas. Hein. Le brossage à sec, c'est pas une technique de pro. Hein. Donc là, je prends ça, que je vais monter avec un peu de jaune. Un peu de jaune ou un peu de... Ah, Lionel. Hello les oiseaux, juste un bisou en passant, entre deux patients. Non, 3. Ah ben non, 5. Oh ben, maintenant, sont bas en salle d'attente. Je ferais mieux de regarder le Zoos Live plutôt que de venir aux urgences. Oh Lionel. Après j'arrive pas à envoyer ces gens bouler parce que quand tu vas aux urgences, moi, tout le monde y a été, hein. Bah oui. Tu te dis mais qu'est-ce qui rentre, jamais ils s'occupent de moi. Sans se douter que derrière. Vas-y Lionel, raconte-nous un truc bien craqué. Oh, tu vas pas nous raconter des trucs horribles. Mais si, j'aime bien moi. Mais non, mais les gens après ils vont fuir, donc. J'ai l'impression d'être dans l'urgence. Toi ça t'excite, mais lui il en chie, hein. Night il dit mais si, j'ai trouvé ce moment génial avec Roman. Bon bah écoute. Tu es de bonne composition, Night Stalker. Ouais, c'est bien, tu t'es pas vexé. Quoi, 5 balles tu c'est tout mal, tu es coq. Ouais, la garçonnette. C'est là qu'on voit la belle ligne de moulage que j'ai pas traitée. Eh, tu vois, des annonces seront bientôt diffusées pour certains. C'est, ça me le met, là, regarde. Ah. Ignorer les annonces.
Peut-être faut faire ça, vas-y, tout simplement. Ignorer, vite, vite, fait. Avant que ça parte. Vite. Hop. C'est peut-être ignorer le message, non? J'ai l'impression. Ah merde, tu vois. Bah, pourtant, ça avait l'air d'écrire ignorer les annonces. Ah, vous allez nous dire si vous avez reçu du coup, j'ai plus de chat, hein, mon cœur. Ah bon? Ben, tu me l'as viré. Ah oui, mais à chaque fois, ça... Oh là là. Ouais. C'est très bien. Oh putain, comment faire? Et si, il est là. Tu veux du sang? Tu veux du sang? Oui, du sang, sang. Je sais pas, des trucs... Vas-y, fais-moi sentir que je suis bien vivante ce soir. Mais c'est horrible, mais pourquoi tu demandes des trucs comme ça, toi? T'es horrible. En plus, mais tu sais que j'aime bien les trucs médicaux. Tu sais qu'il regarde pour se détendre, lui, il a pas envie de parler de... Bah, je suis sûre que ça va le faire kiffer de me raconter des trucs bien dégueux. Mais pas du tout. Il peut même inventer s'il veut, personne ne le saura. Quelle est malade, celle-là. C'est une grande malade, je te dis. Moi, j'aurais dû être médecin, je suis sûre que je vais kiffer. Je suis toujours très zen quand il y a des trucs horribles qui se passent devant moi. Ouais. Bon, sérieusement. Je suis tout le temps très... relativement tranquille, hein, Zo. Ouais, je pense que tu vois pas ce que Yonel voit tous les jours. Ah bah, je dis pas le contraire. Non, mais je pense que je me pensais plus chouchoute que ça et que en fait, ça passe assez bien. Ouais, en fait, t'es insensible. C'est ça, l'histoire. D'accord. Okay. C'est ça, t'es insensible, t'as pas de cœur, pour ça que tu supportes. Non mais toi tu trouves ça vite dégueu alors que moi ça me gêne pas trop. Bah moi les films d'horreur sans problème. Mais alors les urgences... Moi c'est l'inverse. Je trouve ça traumatisant, moi, parce que c'est vrai. Enfin ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Coucou Guilbro. Alors toi qui arrives maintenant Guilbro, qu'est-ce que t'en penses? Il arrive maintenant Guilbro? Bah je pense, ou alors juste il parlait pas, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Oh, à chaque fois, je me dis qu'il faudrait qu'on leur parle de Black Mirror, là. Est-ce qu'il y en a qui regardent? Nous, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu, d'ailleurs. Ouais, on est plus à jour. Hein, ouais. Non, mais sérieux, elles sont vachement bien, ces séries. Après, apparemment, tous les épisodes ne se valent pas. Hein, bah, pour certains. Le moment, écoute, nous, ça a été assez... Bon, il y en a que t'as moins aimé, mais c'est comme tout, tu peux pas tout... Oui, il y en a un où j'ai été un peu déçu, je me rappelle même plus quel, d'ailleurs, mais la chute m'a semblé beauf. Ah, il vient d'arriver, Guilbro. Bon alors, Guilbro, qu'est-ce que t'en penses? Allez, ose nous dire que c'est de la merde. dis-le, on t'en voudra pas. C'est super propre, il dit. Je sais pas si c'est une qualité pour Zoz, c'est en fait, gentil. Parce que le propre, des fois, comment ça, je suis ça dégueulasse. Lui plaît pas. T'es en train de dire que je suis dégueulasse de mon Non, mais t'aimes bien les trucs un peu crado. T'aimes pas quand c'est trop propre. Mais sache trop que net. Pour faire du crado, il faut être propre. Mm-hmm. Même quand on fait du crado en peinture sur figurine, c'est propre. Sinon, ça marche pas. Et oui, madame, contrairement à ce qu'on pense. Moi, je dis ça, j'en sais rien. C'est pour parler. Voilà. Je suis en train de faire un peu les points, là. Bon, lui, on va lui faire un peu le naze, là. Qu'est-ce qu'il est moche. Ouais, il est moche, hein. Sa bouche, je comprends pas trop comment ça fonctionne, son histoire. C'est bizarre. Comment ça marche? 8WLO. Bonsoir à tous, un petit coucou en passant. Il est pas un peu pâle, ce Hulk. Elle était bonne, ça. Bien vu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bien vu. C'est un Hulk qui a pas mangé assez de petits pois. Et de maïs. Lionel, je faisais sortir un accident de bagnole pas grave. Du coup, le son. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, bah si c'est pas Quelle grave. Quelle horreur. Ouais, si c'est pas grave, nous raconte pas, ça m'intéresse pas. Je veux que du grave. Ouais, moi je veux un truc bien crado. Allez, je fais les plis du cou là, parce que cette texture là. Oh, ça me dégoûte. Ça, tu vois, ça me dégoûte. Mais oh, c'est un homme éléphant, c'est normal. Slender Théo, niveau série, je conseille Sandman sur Netflix. Ouais, c'est vrai. Non, on n'a pas vu. C'est un peu SF. Ça a l'air pas mal, mais ça pourrait te plaire parce que c'est. Ouais, tu dis ça juste pour m'épater. Non, je pense que ça pourrait. Enfin, moi, je voulais. C'est tiré d'une BD, une BD qui est. Et puis ça parle des rêves, en fait. Dans le monde, un peu des cauchemars, des rêves, tout ça. C'est pour ça que je dis que ça pourrait te plaire. Guilbro, c'est le. Caïd en mode zombie, c'est ça? C'est ça. C'est... Bah non, c'est pas en mode zombie. Pourquoi en mode zombie? Non, c'est la figurine du. Mais c'est bizarre sa gueule. Je comprends pas comment c'est fichu. Faut que je me remette l'image. Mika du 24, il valide Sandman. Il dit oui, j'ai bien aimé. Je comprends pas sa tronche. Elle est où mon portable?
Comment qu'elle marche sa tête à lui là? Comment qu'elle marche? C'est bizarre sa tête, hein. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Quoi? C'est compliqué. Il a une petite bouche avec des petites dents, des. Oh là 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 là. Mais c'est possible d'aller chercher au pinceau, ça. Ils sont fous les gens. Bon, je vais essayer de faire quelque chose, mais. Quelle heure il est là? Bah il est tard, hein. Ouais. 23h06. Et combien de temps qu'on peint là? Eh ben 2h. Voilà. 2h06. Bon allez, je fais encore un petit truc ou net là et puis. Et puis en plus on perd du monde donc on est à 46. Mais c'est normal, oui. Les gens dorment. Les gens vont se coucher. Donc là, elle a ses petites dents là. Comment on fait pour aller choper ses dents là? Ça y est, j'ai réussi. Zombie la bouche. Zombie. Donc. Là j'ai chopé sa dent, ok, super. Et après il a des dents en bas et en haut là. Oh là là, comment on va faire ça? Voilà. Bon, j'ai fait un semblant de bouche. Du sale, bon, garde de mardi, premier smur sur syncope de 59 ans, hyperalgique et en sueur à mon arrivée chez lui. Impossible à calmer, douleur abdominale intense, teint gris du gars qui va claquer. Oh, oh là là. Oh la vache. Ouais, ça, c'est pas rigolo. Et, ouais. Et alors? Et alors? Oh, mais t'es horrible, alors toi. Bah non, mais je veux savoir s'il est mouru ou pas. Bah, t'es horrible. Vous êtes horrible, madame. Hobbit, on dirait plus un casque que partie intégrante de son visage. Ben pourtant, je peux t'assurer. Que d'accord. Tu regarderas l'artwork, c'est. C'est ça, en fait. Hein. Il a cette gueule-là, quoi. Thunder Theo, as-tu la figurine de Kyler Killer Croc de Gotham? Oui, je l'ai. Je l'ai peint même d'ailleurs. On l'a peint en live. Si tu cherches sur la chaîne, ouais, tu la trouveras. Ouais, parce que Gotham, ça me parle, ouais. Si tu cherches sur la chaîne, tu la trouveras. Peint en live celle-là. Et alors Zoro est arrivé, dis donc. Zoro Lionel. Ouais, bon, j'espère qu'il a sauvé, mais j'imagine qu'il sauve pas tout le monde. Hein. Ben non. C'est beau quand même. Bah, c'est ça que je trouve bien quand même. Ça doit être dur quand tu perds la personne, mais le kiff quand même d'avoir sauvé quelqu'un. Ah oui, je pense que bah oui, c'est remplaçable, hein, sauver la vie de quelqu'un, à mon avis. Là, on peut dire qu'on se sent utile, hein. C'est clair. Je le ramène au déchocage et j'ai un diagnostic en tête. Au final, fissure d'anévrisme de l'aorte abdominale avec 1,5 litre de sang dans le bide. Je l'ai tenu jusqu'à l'hélico. Ouais. Voilà. Et alors, il est sorti le bon monsieur ou pas finalement? Bah, il est. Bon. Quel gâchis tout ce sang dans le ventre. Bon, tu me voles mon mec encore, Lionel, ce week-end. Et que... Donc, les mains, c'est bon. Là... Ah, pour le transporter sur la table de chire pour aller clamper la horte et remplacer la partie rompue. Il s'en est sorti, yep. Cool. Ah bah top. Ouf. Bon bah c'est une belle histoire. Bon t'as bien, t'avais raison de la raconter alors. Ouais, t'as bien choisi. Voilà, donc je fais monter en lumière les points. C'est vraiment un sacré métier, dit Mika24, c'est clair. C'est Grey's Anatomy ici ou quoi, dit Hobbit. En fait, Lionel, tu devrais avoir une GoPro et tu m'envoies des vidéos le soir. Oh, je ça lui ferait sa petite série. Ouais. Arrivé à l'hélico, il s'est relevé d'un bond et s'est pris une balle liant qui rentre. Il est mort. Il est mort dans l'hélico. Comment? Bah, il s'est pris une balle. Ah merde. Oh, les trucs, c'est ton jour, quoi. Mais il y a des trucs comme ça, des ça fois. Ça me fait penser aux morts du film Destination Finale, tu sais. Les c'est mecs, ça. Tu sais quoi qu'il arrive... Mais tu sais pas comment, mais ouais. Tu sais qu'ils vont crever. Quoi qu'il arrive, c'est l'horreur. Ouais. Voilà. Bon, on a fait un peu monter en lumière le c'est truc. C'est pas... Oh, j'imagine la scène, en fait.
peut. Le mec, il essaye de s'accrocher à la vie. Il y a des gars qui tentent, bah non. Surtout qu'à mon avis, quand tu te prends une palle d'hélico... Bah oui. À mon avis, c'est pas que t'es assommé, c'est que ta tête, elle a volé en pastèque, là. C'est fini. Après, t'as des trucs, quand c'est pas ton heure, tu te rappelles on a un copain théâtre qui nous avait raconté une chute entre le quai et le train. Ah oui. Tu te rappelles? Ah ouais. Je tairai son nom, mais... Oui, bon, oh. tu peux... Bah non, mais c'est non, pas mais la peine. Dire, tu peux dire Xavier, hein, pas obligé. Non, de... mais... Il est tombé entre le bord du quai et le train a démarré et son sac s'est accroché. Ouais. Il a vu sa vie défiler, il a vraiment cru qu'il allait y rester. Et ben non. Il est bien vivant. Ouais. Mais il s'est fait une sacrée frayeur. Je me demande s'il a repris le train de lui. Émilie, si tu veux du sale sale, j'ai le papy shooté par une bagnole en plein centre-ville, coma d'emblée. Oh, peu cher. Bah oui, mais là... Putain. Oh là là. Putain, te rends compte. Un peu cher, c'est horrible. Après, ouais, est-ce que c'est pas mieux le coma, sinon il souffrirait comme un dingue. Bah après, le problème du coma, c'est ce qui va se réveiller, quoi. Mmh. Oh, bah, selon les dégâts, c'est plus quoi. Ouais, puis après, dans quel état tu te réveilles aussi. Me suis allongé dans le sang et le vomito pour l'intuber. Zo a la photo de la gueule de mes fringues à l'issue. Oh, oh non. Tu m'as caché ça. Ouais. Parce que je sais que t'aimes trop ça, c'est pour soigner ton pour le gore. Quelle horreur. Cléoline, coucou Cléoline. Allez, bonne nuit les amis, peinture d'un bonhomme de The Witcher en écoutant la Zeus Family et les anecdotes de Lionel, c'est toujours une bonne soirée. Bon octogone à vous. Bonne nuit. Bonne nuit, à merci bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ouais. Bon, on y voit plus clair sur ce visage, mais après, il a une tête bizarre quand même. Hein. Ouais. Certains diraient une tête de cul, hein, pardon. Oui, c'est très bizarre cette tête qui a. Obit. Alors moi, j'ai un suicide. Piéton, train, train. Piéton, train, vainqueur. Oui. Non. Bah, ouais, ça pardonne pas là. Hein. Quelle horreur. Il y a Paris, je crois qu'il y en a plein hein, qui se suppriment comme ça. Là. Qui se jette sur les rails là. C'est le truc où t'as le plus de chance que ça fonctionne. Je quoi. Me souviens quand j'étais à Paris, c'était pas rare que le train ils soient en retard, qu'ils soient là parce qu'il y avait un mec qui s'était jeté quoi. Lionel il dit partez pas, j'ai encore plein d'histoires drôles. Lionel t'as pas l'impression qu'il y a eu une chute de 10 mètres d'un coup. Ah. Je dis pas, d'un coup on est passé à 48. Bravo Lionel, merci. En fait le problème c'est que c'est passionnant mais il y a que moi que ça passionne Lionel. Non, mais tout le monde s'est intéressé. Hein. Guilbeault, où est le cul? Où est la tête? C'est vrai qu'il est bizarre ce bonhomme. Hein. Ah oui, non, mais je suis pas sûr qu'il parle que du bonhomme. Ah oui. Ah ben là, oui. Dans c'est le un train. Peu en mode Tetris et puzzle, ouais. Là, quand tu retrouves le gars, à mon avis. On va avoir droit aux anecdotes d'objets coincés dans le fondement. Ouais, j'y ai pensé moi aussi. On a un petit peu trop de passifs, un peu trop de souvenirs communs. Et c'est toujours dans le même genre quand vous même. Vous êtes peut-être mis des trucs dans le fondement. Mais tu te rappelles pas que Lionel nous avait raconté des trucs comme ça? Ah bah oui, ça arrive. Dans tous les hôpitaux, je pense qu'ils l'ont, ça. Bah oui, mon frère, je suis tombé sur cet objet par hasard. Par hasard, j'ai glissé. Et figurez-vous que c'est rentré dans mon anus. Ah oh, oui, oui. Mais pas côté manche. Non. Côté bras. Je sais absolument pas comment je me suis retrouvé avec cette clé à molette dans l'anus. Je ne sais pas. Zoé Juice, ce qui est dégueulasse, c'est pour la famille qui doit payer les retards. Quelle horreur. En qu'une bouteille de thinner ou deux. C'est quoi thinner? Thinner, comment on dit? Thinner, c'est du diluant, non? Je sais pas. Leonard Théo, pour Madame Tipeee, je suis en situation de handicap. Passe sens de la douleur. Et une rotation des doigts de pied suite à un accident. Oh la vache! Oh papa! Rotation, bah, c'est-à-dire que t'as les deux pieds qui se sont retournés, c'est ça? Ouais, mais j'ai pas compris. Il perd son pinceau. Mais il y a une partie de la phrase que je comprends pas. Je suis en situation de handicap, passe sens de la douleur.
Ah, il n'a peut-être pas la, sens... il a peut-être pas la sensation. Ah, la sensation de la douleur. Ah, oh, bah moi aussi, je fais tout tomber. Mince, ah, ça nous perturbe. Il a une rotation des doigts de pied suite à un accident. Et du coup, ça. C'était un accident. Et du coup, ça t'empêche de marcher ou tu marches difficilement ou tu es en fauteuil, du coup, en mobilité. C'est réduite. Bah, après, c'est fauteuil, mobilité réduite, c'est quoi? C'est peut-être t'as les cannes, des choses comme ça, quoi, pour t'aider. Après, moi, j'ai un des papas à l'école, là, lui, il a fait comment ça s'appelle? Un AVC, et il a un côté paralysé, du coup, il marche, tu vois. Comme mon père. Ouais, enfin, il marche pas difficilement. Enfin, il peut plus courir parce qu'il a une jambe, en fait, qui reste droite, en fait. Mm. Tu vois. Mm. Et pas d'accident, rien, quoi. C'est pas que courir s'il est en fauteuil roulant. Non, non, il est pas en fauteuil, ce papa. Oui. Et c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Il est jeune, ce mec-là? Ah oui, il est jeune. C'est un mec qui doit... Enfin, jeune. Il a 40 balais, quoi. Oh là là, faire un AVC, merde. Bah ouais, ça, c'est des trucs... J'ai l'impression que ça prévient pas. Hein. Ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Ouais, enfin, quand même, c'était pas un truc de jeune non plus. Hein. Lionel, où est le cucu? Ben, il est à 200 mètres plus loin du cuir chevelu, posé à côté du pied droit. Le reste est étalé sur les rails façon puzzle. Mmh. Oh, on va en perdre plein mon cœur. Bon, de toute façon, ils sont partis. Hein. Lionel, t'es le copain à pas inviter. Hé, hey, les gars, j'ai une blague. Donc, je me suis juste assis, j'ai pas vu la boule de bowling sur le fauteuil. je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Ned Faos, les bon, gens après, qui se foutent des trucs dans le derge, je comprends pas. Tu as des objets prévus pour. Effectivement, j'ai. Bah oui, en fait, objectivement, mec, il a envie de se mettre des. Y a pas de soucis, chacun son délire. Non, mais franchement, en plus, voilà, bon, c'est pas le mien, mais chacun son truc, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Mais les cons, ils se mettent des trucs dangereux, quoi. Lionel, il dit c'est très souvent, j'ai glissé dans la douche ou je glissais le long de ma rampe d'escalier. Wouh! J'ai glissé, chef. Igor Dosgore. Lionel, j'avais retrouvé une bouteille de thinner dans un fondement. Oui, je m'en sers encore pour mon aéro. Oh, quelle horreur. Ben, après, moi je comprends, c'est-à-dire que quand tu interviens sur un truc comme ça, et le mec il dit oui, en fait j'ai glissé sous la douche, je me suis mis le truc, machin, tout ça. Si tu veux, tu dis bah oui. Bah, tu ne contredis pas, tu dis ah ouais, bah, putain, ça peut arriver, enfin, faites attention. Voilà. C'est malheureux plus qu'autre chose. Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive, ça prête à confusion, on pense que les gens se mettent des trucs, mais en fait, la plupart ils glissent comme vous, en fait, voilà, enfin, tu essaies de détendre le truc. Qu'est-ce que tu t'en fous en plus, tu vas pas le mec encore plus minable que ce qu'il est, le pauvre. Et puis à la famille, tu la vois, je sais pas si j'essaierai pas de le cacher à la famille. Moi. Slender Théo, pas de sens de la douleur, non, le pied droit à tous les doigts avec une rotation de 30 degrés, putain. D'accord. Et ouais, du coup, ça empêche forcément. Enfin, tu, à mon avis, tu marches pas forcément normalement, quoi. Mmh. En plus, c'était un accident, mon cher. Ouais, bah écoute. Hein. J'espère que... Alors, qui dit, je me souviens de l'anecdote Tineur, Lionel. Bah, tu vois, moi, je me rappelais pas. J'ai glissé dans la douche. Ah, donc vous vous douchez avec votre boule de pétanque, une mini tour Eiffel, un thermos et un objet de la Deuxième Guerre mondiale. Mika du 24, chef, une fois sur un accident de personne avec un train, il se rend sur les lieux, monte le talus pour arriver sur la voie et bim, face à la tête qui le fixait. Oh, quelle horreur! Ah, ça vaut tous les Walking Dead et toutes les séries dégueulasses du monde, ça, hein, quand tu vis un truc. En plus, quand tu t'y attends pas, quoi. Parce que là, je pense qu'ils s'y attendaient absolument pas, tu vois. Donc là, quand tu tombes sur un truc comme ça. Parce que quand tu vas sur une scène d'accident, tout ça, bon, tu te prépares, à mon avis, à tomber sur des trucs, voilà, quoi. Mais là, tu t'y attends absolument pas, tu tombes sur ça. The Red Juice, il dit après, il faut chercher le portefeuille pour trouver l'identité, pour remplir le rapport de décès, etc. Hobbit, le pire c'est les intestins, ça s'étale beaucoup. Oh, oh mais les gars, arrêtez, on va perdre le peu de gens qui restent à cette heure-là. Il n'y a plus personne, ils peuvent y aller. Lionel, n'empêche, il n'y a plus personne qui part se coucher depuis que je vous narre mes anecdotes croustillantes et printanières. Ça fait des vues, les gens ils aiment bien le gore. Hobbit, il dit c'est chiant à ramasser les intestins. Ned Faos, on ne fait pas assez de prévention sur les chutes dans les douches. Arrêtez de vous baigner avec votre obus de Deuxième Guerre mondiale. Arrêtez. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des métiers.
Bon, j'imagine qu'après, tu arrives à, entre guillemets, à mettre ton cerveau en mode, tu vois, intervention. Bah, après, oui. Tu rentres chez toi. Bah, en fait, comme tous les métiers, regarde, nous, c'est triste aussi, mais on arrive à rigoler dans tous les métiers. Même si il y a une soupape, partie sordide, hein. Tu trouves de quoi rire parce que ça t'aide, quoi. Bah, c'est une soupape, évidemment. Ça t'aide, et puis c'est ton quotidien, donc ton quotidien... Oh, j'ai plus arrivé à parler. Ton quotidien, tu le banalises au bout d'un moment. Moi, c'était... Je me souviens aussi... Et puis, rire en plus avec ceux qui subissent ces trucs-là. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais minot, je jouais avec un petit qui était en fauteuil. La nouvelle gardée, hein. J'ai des vagues souvenirs, hein, mais... Et je me souviens que j'étais pas tendre avec lui. Et en fait, j'étais son meilleur pote parce que justement, je pense que j'étais pas tendre avec lui. Quoi. C'est-à-dire qu'il était en fauteuil. C'était normal, mais... quoi, avec lui. Ah, mais même, je balançais de l'eau dans la gueule. C'était... Oh, quand j'y pense, c'était... Mais en fait, on s'entendait trop bien. Et je pense qu'il kiffait qu'on se voit parce que en fait, ouais, quoi, le fauteuil... J'aimerais bien retrouver ce gars, mais j'ai aucune possibilité de... Ah ouais, non. Je me souviens absolument pas. J'étais trop petit. Mais j'ai des souvenirs où je me vois jouer avec lui, quoi. Lionel dit aujourd'hui, j'ai un gars de 21 ans qui est venu parce qu'il met du temps à jouer avec sa meuf. Je lui ai dit qu'on irait en parler autour d'un café, mais que j'avais autre chose à foutre là. C'est-à-dire que le mec, il vient aux urgences pour ça. Mais sans déconner, il peut en parler à son généraliste. Ce qu'on appelait le médecin de famille, c'est tout à fait approprié. Hein, entre deux doliprane prescrits. Quand même. Non, tu vas pas aux urgences pour ça, quoi. Bah c'est oui. Ça que je trouve ici. Hein. Le mec, il vient aux urgences pour ça. Let's fuse. Bon, c'est pas tout ça, mais demain, debout à 4h45, donc je vous laisse. Je dois prendre ma douche avec le levier de douche de ma voiture. Bonne douche, Let's fuse, hein. Évidemment, tu te douches avec ton levier de voiture, mais ce n'est absolument pas pour... voilà. Non. C'est juste parce que c'est pratique pour s'appuyer sur le machin. Voilà, on le sait bien, Let's fuse. Bonne nuit, Let's fuse. Merci pour ton application. Ton engagement pour la chaîne. Hobbit, il y a aussi décès dans la baignoire. Décès dans la baignoire et découverte du corps une semaine plus tard. Oh, quelle horreur! Ah ouais, puis là, dans une semaine, dans une baignoire, à mon avis, là, c'est Walking Dead. Hein. Oh, purée! C'est dégueu. Netflix, j'espère ne pas glisser. Attention, Netflix, tu sais, un accident si vite arrivé. Hein. Bon courage pour demain matin, enfin, pour tout à l'heure. Là, on n'est pas loin. Hank, il n'a pas de médecin de famille parce qu'il n'a pas de famille. Bah si, il a sa meuf. Hobbit, baignoire pleine d'eau, évidemment. Bah oui, tu m'étonnes. Oh, sinon, c'est pas marrant. Ouais, donc en plus, ça veut dire que t'as tout qui s'est... Arrête. Ah, bah, c'est obligé. Hein. Allez, je mets un petit coup de... Juste un petit dernier coup d'éclaircie et puis on va arrêter là, les copains. Surtout, fais attention de ne pas glisser. Oui, c'est bien, t'as bien avancé. Hein, point trop d'info. Qu'il est laid, mais qu'il est laid, le bidet. Il est horrible, il a une horrible vilaine tête. Vous allez me faire le plaisir de soigner cette horrible vilaine tête. Il faut quand même que j'arrive à redormir un jour, parce que moi aussi, je manque de sommeil. Oui, mon père, tu devrais aller te coucher. Je risquerais de glisser dans la baignoire. C'est vrai, Juice, qui a enlevé le bouchon de la baignoire? Quelle horreur, qui a mis la main pour enlever le bouchon, quoi? C'est dégueu. Okay. Oh. Ouais, t'as le droit de mettre un gant quand tu fais ça, je pense. Oh, ça me dégoûte. C'est quoi ça? C'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est pas un truc que notre fille nous dirait. C'est quoi cette bouteille de lait? Non, elle nous dirait. C'est quoi ça? 5 euros. Quoi? Mais tu te fous de ma gueule, quoi? Qu'est-ce que je fasse avec 5 euros? Elle dirait ça à notre fille. La prochaine fois que la petite souris passe, elle dirait. C'est tout? Radine! T'es de ma gueule ou quoi? Elle est radine, cette souris. Prochaine fois, je demande au vieux rat de passer. Hein, c'est quoi ça, mon gars? Pourquoi c'est tout liquide? Ça, c'est un beau, c'est de l'encre verte très saturée. D'accord. C'est pour faire péter les verres.
Insomnie, oui, alors il y a de ça. Et j'avoue, petite addiction aux séries le soir qui commence à être un petit peu pathologique. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, maintenant, elle prend des cours d'anglais le soir. Alors ça, c'est... alors dit comme ça, c'est très très con. Bah, c'est vrai, mais hein. Oui, c'est l'idée. Hobbit, oh merde, avec toutes ces histoires, j'ai loupé le live. Voilà, bon, on a un peu bien avancé. Oh, Xewamax, à Hobbit, on aurait pu faire une sauce à barbecue, genre viande ox avec l'eau. Quelle horreur! Oh, oh Xewamax, oh, c'est dégueu! Oh, c'est là que je vois que j'ai des malades sur mon chat. Ça, c'est un mec malade. Oh, qui a enlevé le bouchon? Celui qu'on a poussé dedans pour rigoler. Oh, oh c'est dégueu. Hé, Maurice, viens voir, regarde là le. Paf! Bisutage! Bisutage! Bon, ça, glou, 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 glou. On rigole, Maurice, il aime pas la déconne. Oh. C'est pas un déconneur, oh, Maurice. J'imagine les bulles et tout. Ouais, mais t'as trop d'imagination. Ah ouais, moi, c'est pas possible, ça. Burk. Voilà. Allez, je refais un petit coup de texture de peau d'éléphant. Hein. Pof, pof. Deux, trois petits coups, ça suffit. Là aussi. Hop, hop, hop. Bon, moi, il y a des trucs moins gore au boulot, mais qu'est-ce qu'on rigole aussi. Ouais. Bah ouais. Ils sont... Nous, on dit qu'ils sont attachants. Oui, c'est vrai. Souvent, ils sont chiants, mais qu'est-ce qu'ils sont attachants. Pas tous, hein. J'avoue, pas tous. Là, c'est compliqué quand même. Mais ils sont rigolos. Souvent, on rigole. Bah, au moins ça. Faut pas boire la tasse. Nika du 24. Oh bon, bah voilà, écoutez, on a fait un beau costume blanc. Vous voyez, c'est sympa. On a pratiquement fini, mine de rien, le bonhomme. Là, il me restera le socle à faire. Bon, je finirai mon. Là, je vais pas faire une deuxième vidéo là-dessus. Ça oui. Mais tu montreras, par contre. Mais je montrerai, voilà. Donc, ouais. Les gars, arrêtez tout, il manque un œil. Non, tire pas le bouchon. Oh, quoi s'il est en forme ce soir. Ah ouais, les yeux. Comment je fais pour peindre les yeux? C'est inatteignable, ça. Bon, je ferai ça de mon côté. Eh bien, ah bah voilà, les trucs difficiles, tu leur montres pas comment tu te dépatouilles. Ben non, mais il n'y a rien à faire, là. C'est les yeux, c'est un creux, regarde, c'est un trou. Je sais même pas si tu vas le chercher, ça. Vous voulez que je mette au moins... Pourquoi tu les fais pas noirs, genre Berk? Bah non, mais parce qu'il a un œil qu'on voit bien sur la vidéo, mais sur alors, le dessin. Là. Tu es libre, Max? Pourquoi tu suivrais la vidéo, là? Non, mais t'es zoze ou t'es pas zoze? Bah... T'as raison. Non, mais alors... T'es zoze. Allez, je fais juste les points blancs des deux yeux. Après. C'est à ce moment-là que je fais tout merder, les gars. Mais ouais, c'est risqué, hein. C'est risqué, t'as vu, c'est au fond d'un trou. Moi, j'aurais fait noir. Mais non, faut les marquer les yeux, ça n'a aucun intérêt. Noir, noir, c'est noir, il n'y a aucun espoir. J'ai eu le moustique, je crois. Wow. Ah non. Oh, merde. Qu'est-ce que ça fait? Mais il m'énerve, celui-là, là. Il me cherche. Je tente le deuxième. Ah bah il est tombé, il est mouru. Voilà. Bon, bah on est demain, dernière de la semaine et je finis avec des apprentis. C'est mieux payé. Fini avec... Ah, d'accord. Ah bah c'est bien. C'est mieux payé. Des apprentis sorciers, j'espère. Hobbit, pour les yeux, Zeus va donner la figue à un figuriniste. Quel enfoiré. Comme il est méchant. T'as vu comme ils sont méchants, les gens? Oui. Pour la paix, comment pour ils la paix, méchants, tu sais quoi avec moi? J'ai pété. Ah bah, ça, c'est génial aussi. Alors après, on se demande de qui tient non, ta figue. Chat, chat, j'ai pété. Voilà, bon. Voilà, bon, j'ai fait des petits points blancs, ça se voit même pas. Il est tellement c'est. Faut le prendre à l'envers. Ça se voit pas parce qu'il y a cette espèce d'excroissance qui vient sur le devant du front, là. Si, il y a ça qu'on aurait pu faire, objectivement. Mais... Bon, allez, je le fais, et puis après, j'arrête. Pour refaire la forme du crâne. Non, des apprentis techniciens.
Oh, c'est moins marrant. Tiens, vite, coupe, des annonces seront bientôt diffusées. Dans 50 secondes, mon cœur. Oui, mais c'est ça qui génère mes revenus, non? Les annonces? Ouais. Comment oh, mais mince. C'est où? Attends, je vais couper. Ignore les annonces. Ah bah oui, il faut que tu m'emmènes le chat, du coup. Je vois que tu coupes, ça coupe le merde. Chat. Merde. C'est où? C'est là. Hop là. Bon. Eh bien, écoutez, mesdames et mesdames. Des apprentis sorciers, il n'y en a plus. Dumbledore est mort. Il est mort Mika du 24. Fois, Mika du 24, un figuriniste, oui, mais de talent, alors. Oh, c'est gentil, Mika du 24. Voilà, on a fait le costume, vous voyez. Hein, bon, à la caméra, j'essaierai en photo, j'espère que ça sortira mieux. À la caméra, c'est vrai que les blancs, ils bouffent un peu l'expo. Mais voilà, l'idée, c'est celle-là, hein, vous voyez. Oui, mais je c'est, trouve bien. T'as pas merdé comme Hulk. Voilà, je suis pas merdé comme Hulk. Bon, bah, très bien. En fait, d'un autre voilà. côté, c'était le seul où t'avais un peu... Voilà. Hein, on le tient pour référence, mais oui, après tout. Oui, c'est vrai. Mon cœur, là. Mais je l'ai bien rattrapé, mon Hulk. Hein. Bon, oui, hein. Tu l'auras montré. Bah oui, j'aurais montré. Bien. Ah oui, tout à l'heure, quand je suis arrivé. C'est vrai. Bah, il est bien. Hein. Oh ouais. C'est un beau Hulk, maintenant. Mmh. Bon, d'accord. La figurine n'est pas. Il y avait des petits pets sur la figurine, mais bon. L'acteur qui jouait Dumbledore est mort, oui. Ah, voilà, c'est l'acteur. Ah, c'est pour ça que tout le monde disait que Dumbledore était mort. Je ne comprends. Lionel Boula, allez, bisous sur les fesses, à demain. Bisous. À samedi. À samedi, ma couillonnette. Eh oui, samedi, dimanche. Bon, ciao, là, ciao. Je mets ça là. Ah oui, non, mais il faut qu'on s'appelle demain, par contre, pour organiser. Ça, c'est chouette. Je mets ça poubelle. Pouk. Gros bisous à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Que vous avez bien kiffé. Bah tiens, on a mis. J'ai deux gros là. T'as vu, je peins des gros. C'est normal pour un gros de peindre des gros. Qu'est-ce qui gagne? Qui gagne entre les deux? Qui le plus fort? Hein? Qui toi, qui moi? Hein, qui dit gros, il avait une fuite aortique et en l'amenant à l'hélico, vous connaissez la suite. Oh mon dieu! Bon bah c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Bah, j'espère que vous avez passé une bonne. Qui se racontent des blagues tous les deux. Ah oui, mais non, elle se raconte pas des blagues. Je te le dis. Attends, on va mettre là. Oh, on voit que t'as pas assez dormi, mon cœur, regarde. Ouais. Là, j'ai un beau visage, regarde. Là, j'ai un beau visage. Beau, non. On voit que t'es cerné, mon amour. Mais non, je suis pas cerné. Si. Je suis très fatigué, c'est vrai. Si. Tu es cerné par les cons. Bon, et je vous remercie à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à liker, à commenter, à tipper si vous pouvez vous le permettre. Alors, pas 5 euros. Non, c'est minable. 5 euros, c'est minable. Excusez-moi, ma petite Lalie. Hein, voilà. Donc, non, blague à part, n'hésitez pas. Vous pouvez tipper, vous pouvez liker, partager. Et puis, on se revoit, nous, jeudi prochain. Oui. Entre-temps, je vais aller donc à Octogone. Donc, ce sera samedi, dimanche. Je pense que je filmerai pas là-bas. Hein. Je vais y aller comme ça. Et par contre, sur la deuxième chaîne, pour ceux que ça intéresse, je vais poster la première partie de l'actuel play que j'ai fait sur un jeu de rôle zombie avec un scénario que j'ai créé. Et sur la base du système de Damien Coltis, qui est un gars de la sphère JDR, hein, voilà, qui est en train de sortir son premier jeu de rôle, mais qui était très connu parce qu'il travaillait dans les grandes maisons d'édition et compagnie. Et là, il lance son projet solo pipo. Et puis voilà, on a testé son système. Et puis voilà, c'était bien sympatoche. Et je vous fais de gros bisous. Je posterai les photos. Il y a Obit qui nous dit encore un bon moment. Fic superbe. Merci pour l'énergie. Ah ben, merci à vous. Pour tout ça. Merci pour la bonne humeur. Merci pour les blagues, les copains. Bon live. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont passés, qui sont venus, qui ont fait coucou. Merci à ceux qui restent jusqu'au bout, aux gros, aux courageux, aux fidèles parmi Merci fidèles. À ceux qui supportent les discours de Lionel Boula. Voilà, voilà. Toutes ces horreurs là qui nous dit. Hein, voilà. Merci aux tipeurs réguliers, hein, ceux qui ont pris les abonnements, voilà, parce que grâce à vous, bah, ça permet justement de financer des pinceaux, des peintures et tout ça, et c'est important, et c'est bien. Et Mickey et ça, demande un petit live sur Octogone, il n'a peut-être pas entendu, ou non, c'était peut-être avant que t'en parles. Ouais, mais... et puis après... Après, j'aime bien pour y aller en mode détente, rencontrer les gens, échanger, discuter. Bon, je le ferai peut-être une année, mais... Ouais, Slender Théo qui demande le nom de ta seconde chaîne. Ça s'appelle la table des coups cryptiques. Table comme une table, coup comme des coups, et cryptique. Cryptique... Ça vient de crypte.
qui vient de... Bah, cryptique, c'est bizarre, un peu nébuleux, un peu incompréhensible. Oui, le mot lui-même vient de crypte. Ah, bah, je sais pas, figure-toi. Ah, bah, sûrement. Ah, ouais, ouais, tu crois? Bah, sûrement. À vérifier, mais sûrement, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, eh bien, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je déconnecte où? Je crois que ça se déconnecte par ici. Hop, voilà, ça y est. C'est Oncle Lionel, à chaque objet coincé là où il ne faut pas, il espère que c'est un truc en rapport avec la peinture. Mon cœur s'est coupé. Bah oui, je sais, mais j'en ai quand même. Ça ne t'entend plus, là. Alors, est-ce que c'est bien enregistré? Oui. Oh là là, ce Lionel, qu'est-ce qu'il est chiant. C'est vraiment parce que c'est un poteau, hein, tu vois, mais il faudrait que je le coupe. Hein. Ah, il le bousille, l'audimat. Ah ouais, il est toujours à me raconter ses horreurs, je te jure. Hein. C'est vrai. Hein. Après, tu sais, il parle des autres, là, les objets et tout ça, mais moi, quand je suis allé chez lui, il y a des trucs que j'ai trouvé bizarres, hein, quand même. Hein. Bon, j'ai pas envie de... Cela ne me regarde pas, mais... Je sais pas si Lionel, il a des... Je pense qu'il... Ah, bon, il a des pratiques, quoi, je veux dire, hein, ça se voit. Hein. Mmh, ouais, c'est sûr. Moi, je pense. C'est bien pour ça que je le kiffe. Ouais, mais ça m'étonne pas, toi, tu sais. De toute façon, un jour, il faudra qu'on leur dise, hein, que t'es... Que c'est mon officieux. Voilà. Hein. Mmh. Faudrait qu'on dise à sa femme aussi. On est un trouble. Non, on est un crouple. Un crouple. Eh oui, parce qu'il y a aussi Joanne. Il y a le croupion. Il y a aussi Joanne. Moi, j'étais que le jeudi, finalement. Ouais. C'est comme ça. C'est ça. Bon. Voilà.